shaders sont chargés, hein, on va y aller. Ah, super, on va pouvoir jouer à Uncharted. Alors, Uncharted. Donc, Uncharted vient de sortir en... C'est un remaster ou c'est juste ça ressort sur PC, enfin, sur l'Epic Game Store? C'est surtout que ça sort enfin sur PC, c'est voilà. Enfin dispo sur PC. Et c'est pour ça, que, comme à chaque fois, les exclus Sony, je n'ai joué à rien, donc oui, je n'ai jamais joué à Uncharted 4. Et c'est dingue, je sais. Mais c'est, moi non plus. C'est une découverte totale. Bon là, je vais jouer à la manette quand même, je pense. Tu peux jouer, c'est un jeu de tir, hein. Eh hey, bah tiens, fallait pas m'en dire plus. Je vais jouer. Comme ça sort sur PC, on va le tester à la souris. C'est parti. Explorateur, simple, intermédiaire, difficile. Je pense qu'il faut partir en intermédiaire. Simple, ouais, intermédiaire, parce que simple, fin, c'est trop un gap de ouf. Simple, on dirait que c'est trop facile. Y'a pas de descriptif pour les trois au milieu. C'est à ton feeling. Intermédiaire. Comment ça difficile? Vous êtes malade ou quoi? J'ai jamais joué à Uncharted. Visée automatique. Allez, je suis à la souris, j'accepte de pas le mettre. T'es sûr? Hein. Ah. Conçu pour les joueurs n'ayant pas l'habitude des jeux d'action. Oh, ou ayant des difficultés à utiliser le joystick gauche. Ah, moi j'ai une souris. Faut pas exagérer. Moi j'ai une souris, ça va. Allez, ça va. Alors après, par contre, t'as sélectionné lequel? Uncharted ou Uncharted avec les gonzesses? Les gonzesses. J'ai sélectionné Uncharted 4. Parce que... Okay. C'est le dernier gros jeu Uncharted et j'ai envie de découvrir ça, j'imagine. Mais du coup, dans la collection qui est dispo sur Epic Game Store, il y a les deux jeux, c'est ça? Oui, il y a les deux, fusionnés en un jeu. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. C'est okay. Pas une phrase vraiment très philosophique. Non. Hein. C'est quelque chose qu'on aurait pu dire. C'est quelque chose qu'un enfant de 5 ans on pourrait dire. Un enfant de 5 ans qui adore les thunes quand même. Est-ce que Uncharted, c'est un peu Je t'entends pas dans la tempête. On va attendre qu'elle se calme. Je voulais dire, est-ce que Uncharted, c'est un peu comme un Tomb Raider mais avec un mec? C'est ça, c'est avec des couilles et de la testostérone. D'accord, et des tempêtes. Exactement. Attends, vite, il nous rattrape. Je sais. Les bombes et les gaz. Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. Et un menu pause aussi. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me baisser le son, s'il te plaît? Ouais, y'a pas de problème, ça me défonce la gueule. Ah bah gourmand, il était à 100% en fait, le son. C'est sur 20, ça fait plaisir. Hop là. On va tester ça comme ça. Attention. Oh, c'est bien, plus agréable. C'est bien. Par contre, c'est des excellents jeux de zinzin. Je te rappelle que c'est la honte. Naughty Dog qui l'a fait, j'ai oublié le nom. Naughty Dog qui a fait Crash Bandicoot, rien à voir. Non, mais Naughty Dog qui fait aussi The Last of Us. Ah, c'est vrai, c'était ma rêve qui avait rien à voir. Crash Bandicoot, c'était pas vraiment l'autre a plus de sens. L'autre a plus de sens. C'est, on dirait, Bordeaux de Paradise, hein, le jeu. Ouais, parce que là, pour détruire un bateau, je suis quand même rentré dedans, je suis pas sûr que ce soit ce que je suis censé faire. J'aime bien parce que ça démarre. Alors, je sais pas s'il y a un contexte, mais moi je l'ai pas en tout cas. Mais il y a 40 bateaux qui nous tirent dessus dans une tempête infernale. BAM! Oh bah oui, d'accord. BAM! Alors, pas trop de rage, les joueurs console de notre jeu 4K, 500 FPS. Eh ouais, regardez là, comme c'est tout net, tout fluide. Et comme je vais exploser. Oh, des feux d'artifice! C'est peut-être pas des feux d'artifice, qui me tire dessus? C'est pas des feux d'artifice, j'imagine. Merde. Non, puisque ça explose. Ouais, ça explose un peu quand même. Wouhou! J'ai l'impression d'être invincible! Oh, faites un effort, vous allez réussir à m'avoir! Ah bah voilà! Bon bah voilà. Mais vous inquiétez pas, je suis. Nathan Drake, c'est ton nom. Et je vais m'en sortir comme toujours. Quel beau gosse. Jamais en difficulté ce gars-là. Oh putain! Ah oui. Attention! Ah bah fais gaffe aux pales! Attention quand même, Nathan. Faut pas se la raconter non plus. Je vais bien. Youpla.
Ah. Bah, tu veux pas grimper? Moi je veux bien monter, hein. Ah. Il voulait pas monter. C'est mieux. Ah, faut que tu démarres. Ah non, faut pas que tu démarres. Ah. Faut que tu fasses un truc. Aïe aïe aïe, couvert. Ok. Ah bah tous des gens maintenant. Ah ouais, alors les joueurs console, vous avez jamais mis une tête aussi vite, hein? Oh, t'en as pris une là. Ah ouais, là. Il avait un casque. Les tonneaux rouges, les tonneaux rouges. Attends, y'a pas de tonneaux rouges, peut-être rêvé. J'ai cru voir aussi derrière, mais après j'étais pas sûr. Ouais, non, c'est des caisses en fait, éclairant rouge. Ouah, foiré. Mettez des tonneaux à côté de vous, ce serait plus drôle. Ça commence vraiment à être moins bien comme gameplay que... T'aurais dû mettre l'assistance à la visée, hein. Quoi? Je vise super bien. T'es obligé de tirer 5 balles pour toucher. Putain, je vais mettre l'assistance à la visée, comme ça vous serez moins perturbé, hein. Sans nous là? Ouais, ça marche. Oh, le bateau, faut tirer encore, quoi. Ouah, mais on la voit même pas, l'île de la Muerte, je vais... C'est terrible, je vais m'échouer. Là, on les entend même plus, les mecs. Ah, peut-être que... Oh là, ah, oh là, oh là, oh là, oh, oh. Wow. Attends, ça peut faire un dérapage comme ça, un bateau? Bah... Oh bah attends, là, il m'a fait faire un demi-tour exprès, là, c'est... Je me dirigeais pas du tout. C'est toi qui l'avais fait, le dérapage. Ah non, je m'en rendais pas du tout vers ce truc. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. OMG, il a insulté sa mère. Et sa mère est morte. Non, c'était pour des propos antisémites qu'il a tenus. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. Ah, hop, dégage la nonne. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Petite fugue? Bah j'imagine, puisque la fenêtre est entrouverte, ça serait quand même dommage. Ça nous y invite vachement. Ah, il lui fait un signe. C'est certainement son frère. Oh, c'est parti. On va augmenter un peu le son. Parce qu'il faut doser là, on n'entend plus rien. Et il demande pas les sous-titres, c'est étonnant. Si, il nous les demande. Après, ils sont pas... Je saurais pas dire où ils sont, tu vois. Les sous-titres. C'est pas... C'est moins... Tu vois, là, affichage. Comme ça... Là, c'est moins évident. C'est généralement dans les channels audio qu'il y a les sous-titres. Bah ouais. Bah. Y'a pas de... Oh non, le chat, tu vas être trop triste, y'a pas de sous-titres, vous allez devoir tout écouter. Ah si, c'est obligé qu'il y ait des sous-titres. Jeu. Sous-titres. Voilà, ça va mieux. Bon, je vous préviens, ça va aller très vite. Hein. J'ai jamais joué au jeu, mais... Ça va être très efficace. On grimpe et on fait le tour. Wow. Ok. Trop glissant. Oh putain, Nathan Drake a 14 ans, il dit ah, ouais, donc. Franchement, oh là. C'est pas possible d'être aussi fort que ça à 14 c'est ans. C'est un malade. Parcours. Ouais bah pareil, tu glisses après. Ouais. Oh, attention Nathan.
Assistance caméra disponible. M'en fous. Quoique. Ok. Attention, c'est le dortoir des filles. Oh, tant mieux. Oups. Le dortoir des vieilles nonnes. Oula. Le gamin de 14 ans qui a des gros problèmes. Je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Regarde, ah, je vais y aller. Non, je vais y aller. Non. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin. Oh. D'accord. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Est-ce que tu dirais mon père à un prêtre alors que tu es athée? Jamais. Moi non plus. Je dirais monsieur. Comme je le dis à mon boucher ou à mon boulanger. Pas à mon père. Vu que le mec vient de partir par là, je suis pas sûr de... que ce soit très prudent, voilà. Non, c'était vraiment pas la bonne idée. Alors que cette petite porte en revanche... Tiens, tiens. C'est mon dossier. Nickel. Je le prends. Ah non, je le prends pas. Est-ce qu'on le lit? Allez, je le lis un petit peu, comme ça on a un peu de l'or. Un petit peu. Pensionnat pour garçons de Saint-Francis, rapport de comportement. J'ai surpris Edward en train de se branler. j'ai surpris Edward en train d'agiter un des livres de Nathan pour l'embêter. Mais à sa petite taille, Nathan a immédiatement bondé sur Edward et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux garçons, mais ils avaient déjà eu le temps de se rouer de coups. Ah, c'est ce qu'on savait déjà. Je pensais qu'on aurait un peu de... Ouais, il a dit qu'il n'y avait pas que ça, mais au final, c'était quoi alors le truc en plus? Je pensais qu'on aurait une histoire sur pourquoi il est là et... Pourquoi il est orphelin, ce gamin? Bah oui. C'est bon, elle entend rien, la vieille. Faut que j'atteigne cette fenêtre. Ah bah j'y vais, alors. Oh bah alors là, la vieille... Nathan, Nathan. Oh, je pensais qu'elle... qu'elle était très occupée. On repart. Oh, ça va. Oh, mais ça, encore c'est un une fois, c'est un très beau canapé. C'est un tuto, ça. Hein. C'est un tuto, c'est fait pour ça. Et oui, tu t'es encore fait avoir, mais tu es en plein dans un tuto. J'ai rien compris. Les tutos, c'est la même chose que le reste du jeu, sauf qu'on peut pas mourir, c'est ça? À peu près. Vas-y, fume là, fume! Les nonnes n'ont pas le droit de fumer. Je vais le dire au père. T'es sûr qu'elle se retrouve quand elle fume? Ah oh ouais, faut vraiment... ça c'est rapide, hein. Elle est chiante, hein. Ouais, par contre, la fenêtre qui est à côté d'elle... je suis pas sûr du... Oh là non. Ah t'as vu, elle se planque pour fumer. Ah oui, voilà, elle a vraiment par contre, pas le droit. Ça se sent quelqu'un qui a fumé, hein. Ça se sent, hein. Oui. Donc là, sœur Catherine, foutu. Sœur Catherine, vous... Vous sentez la merde, là. J'y vais. Oh là. Oh là, c'est un malade. Ok. C'est un malade mental en fait. Il a rien à perdre. Toi aussi, quand t'étais petit, t'avais une période où tu faisais du parcours. En tout cas, j'en rêvais. J'ai eu plusieurs rêves quand j'étais petit. Tu regardais des vidéos de parcours sur Dailymotion? Oui, Yamakasi, Banlieue 13. Je voulais aussi faire de la guitare électrique. Oh la vache, ça aurait été une belle paire. Oh l'air guitare électrique. Oh, j'aurais pas été la même personne. Mais finalement, j'ai rien fait de tout ça. En gros. Genre, t'as fait quoi du coup? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai un peu joué aux jeux vidéo en vrai. Mais c'est tout quoi. Non, mais t'as pas fait que ça? Oh, j'étais bon à Smash Bros en vrai. Hein. Non, mais t'as pas fait que des jeux vidéo quand même de ton enfance? Bah, j'ai testé différents sports, mais j'ai jamais aimé en club. Ça m'a saoulé. J'ai fait du. C'est un mec? Non, c'est un sac à dos avec une lampe torche. J'ai fait du badminton, j'ai fait du foot, j'ai fait du ping-pong. Je fais quoi d'autre? Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Parce que c'était une pute! Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. Faut que t'apprennes à rire du fait que maman était une pute. Ouais, et bah fais ce que je dis. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi. Et ça pouvait pas. C'est moi ou c'est toujours pas fort? C'est quoi?
Il faut sortir. Oh, voilà. Jusqu'au jour où il y aura une tempête. Ah putain, je sais pas, je les entends bof. Ouais. Attrape ma main. Allez, allez. Donne la main. Voilà. Et toi, t'as fait quoi comme sport? Oula. Oula. Bah, dis donc. Foot, basket, gymnastique. J'ai dû en faire d'autres. Tennis, oui, bah évidemment, tennis. En fait, je sais plus parce que je me faisais virer à chaque fois de tous les sports. Bah. Hein? Bah alors, pourquoi? Parce que je rigolais beaucoup. Oh. Alors, c'est papa et maman qui te disaient de faire un sport et toi t'y allais pour foutre le bordel, c'est ça? J'y allais pour rigoler. Putain, bah voyons. Encore c'est comme ça que je me suis retrouvé enfermé dans le placard à l'atelier bois. Parce que je rigolais. Ah bah ça a toujours beaucoup rigolé, hein. Merde. Tu l'as pas bloqué? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Je suis désolé, j'ai envie de les entendre, ils m'énervent. Ça me rappelle que... une fois, à la FNAC de Tours, avec des potes, sortis du collège, on est passé par une cour arrière derrière la FNAC, elle était entrouverte, on y est rentré. Wow. Et là, je précise que c'était une horaire où toute la FNAC était fermée, c'était le soir. Ouais. On entrouvre la porte, on rentre, et là il y a la porte qui accède vraiment à l'intérieur de la FNAC, quoi, mais par derrière. Et on se dit. Tentons quand même, et là on la pousse, et quand on la pousse, elle s'ouvre, et il y a un papier qui tombe, qui contenait le loquet de la porte. Ah. Et là on est en mode, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la porte est ouverte? Donc, on rentre dans la FNAC, et on se retrouve dans les galeries de la FNAC, mais on peut pas trop avancer plus loin parce qu'il y a des grandes grilles descendues. N'empêche qu'on a accès à des boutiques, et tout est fermé, toutes les galeries de la FNAC, et tout est fermé. Et on voit des caméras et tout, on panique, on se barre. Et en fait, on a compris après, même pas deux jours plus tard, les magasins de la FNAC s'étaient fait cambrioler. Et en fait, on a niqué un casse de la FNAC qui avait été préparé en amont, en ouvrant la porte et en retirant le papier. Du coup, ils l'ont refait, mais deux jours plus tard. Mais c'est un truc. Et nous, on a prévenu évidemment aucun service de sécurité qu'il y avait. Tu vois, un papier qui coincait la porte de la FNAC et tout. Alors GG, et mais pendant longtemps avec nos potes on se disait OMG on va aller en prison parce qu'ils nous ont vu sur les caméras et tout. Mais bon, on s'est dit bah c'était deux jours après donc c'est pas. Mais GG, sauf que le problème c'est qu'ils l'ont quand même fait, quoi. C'est dommage, vous auriez pu être des vrais héros et à la place. Bon ça va, genre je vais pas plaindre la FNAC. Mais à vous, t'aurais pas été fier d'empêcher un casse un vol, hein, à la... Mais non, j'aurais été fier de chourer des trucs, t'imagines? Putain de merde. T'es vraiment l'antagoniste. Si c'était ouvert, hein, mais... Le truc de dingue, t'as toutes les galeries de la FNAC. Mais ça aurait été... Ça ouais, puis tu vas en prison, quoi. Tu vas pas en prison quand t'es au collège. Ça, c'est trop l'argument des petits fils de pute, je suis désolé, c'est vraiment... Bon, c'est bon, ils pourront rien nous faire, les petits connards. Mais non, connards, mais même un adulte, il va pas en prison parce qu'il est rentré alors qu'il était ouvert et qu'il a quand même en prison, trucs. Mais... Opportuniste. Tu te fais vraiment, en tant qu'adulte, tu te fais bien gronder, je crois, vraiment. J'aurais mérité une petite GAV, voilà. Ouais, tranquillement. Vas-y, passe devant. Bah, tout se passe très bien, on fait des trucs de dingo. Je mets au défi... le chat d'être plongé dans la FNAC le soir avec un millier d'articles différents et de repartir bras ballants en disant non, pas de ça ici. La FNAC est une petite société de père en fils. Je ne prendrai pas d'articles. Comment on court? Allez, vas-y, grimpe au clocher. C'est ça qui m'énerve. Non, dans le jeu. Je peux pas courir. Parce que j'appuie tout le temps sur shift mais ça me fait faire des roulades. Oh, attention! Oh, je croyais qu'il y en avait pas au milieu. J'ai un peu peur. Je peux pas sauter d'aussi. Non mais là, une détente comme ça, c'est impossible. Ouais, je suis un peu déçu. Ça s'accroche, ça. Attention, elle est pas solide. Ah. Ouais. On a une belle bulle ici. On peut pas courir.
Pas mal. Bizarre quand même. T'es déjà monté ici avant ? Sur ce toit en particulier. T'es obligé de faire des roulades tout le temps. Tu sais, comme dans Zelda. Ouais, à peu près. Ouais. En faisant ya ! Ya ! Allez, tu restes ici et tu me regardes. Faut être complètement inconscient pour faire tout ça. En plus, c'est son petit frère. Ah non, mais là. Oh, arrête, non, tu vas arrête. Pas faire ça. Bah, bon, bah, tu vas mourir. C'est ton tour. Mais il est fou. Ça va aller, mec. Allez, vas-y, lance-toi. Faut pas trop réfléchir. Ouais, faut vraiment pas trop réfléchir. Non, mais faut être complètement malade là. C'est de l'inconscience pure. Allez. Si Sœur Catherine avait vu ça. N'importe quoi. Ouais. Les doigts dans le nez. Sœur Catherine va avaler sa cigarette si elle nous voit par là, peut-être en train de faire ça. Son frère, c'est un malade, l'influence de merde qu'il a sur lui. Suis-moi. On y est presque ou pas là? Gros malade. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? En plus. En plus, il assume plus. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. Non mais ça, et puis ça j'aimerais bien le faire en vrai mais... Oh je réessaye. T'as retiré le câble et t'as sauté. Ok, je savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté mais j'y vais. Ok. On descend maintenant. Ah j'avais pas vu l'échelle, c'est quand même plus pratique. Libre! Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Et maintenant? Comment tu la trouves? Hein? Wow. Il va nous faire conduire. Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bah ça va, on a 8 ans. Taré, hein. Il faut un permis spécial pour ce genre de moto. Hein. On a 14 ans. Hein. Eh, c'est pas très sympa ça. Bah, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Ou de la voler. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre... Ouais. C'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours, d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient... c'est que je dois partir quelque temps. C'est que c'est illégal, le boulot, surtout. Combien exactement? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Je te spoil, hein, tu reviendras jamais. Ben c'est sûr, mais voilà, mais le problème c'est qu'il va prendre la grosse tête et qu'il va nous oublier. Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans... Je sens qu'on va jamais voir cet argent. Je veux venir avec toi. Quelle merde. Je galère déjà bien assez tout seul. Mais c'est un enfoiré. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. T'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Putain, mais... il nous a fait sortir pendant une demi-heure avec des cordes et on a failli mourir, tout ça pour nous dire qu'il faut y retourner? Connard! Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais. Des gants de ceinture, des strings. Je sais pas. Où ça? Pas loin, de l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? Bah, c'est pas vraiment du vol. Ça te dit qu'on allait jouer avec les affaires de maman? Ça m'étonnerait. Comme la dernière fois. C'est quoi ça, problème? Prêt, champion? Carrément. Wow! Oh, le tuto baston! Il a dit, celui-là était plus facile que ce que j'espérais. Tu parles espagnol? Je suis bilingue espagnol. Je vais me battre avec toi.
Eres puro cuento. Ah, tu pues la merde. Quoi, t'as dit quoi? C'est vraiment bien espagnol. Esto va a ser divertido. Putain, c'est F pour taper. Je vais complètement l'oublier. Il va y avoir des fights où je vais pas savoir quoi faire. Hey gringo, tu sais taper. Hey. Te muestran el gringo quién manda. Vuelve ahí. Putain, il a une droite assez rapide. Que tal esto? Eh, vous avez pas le droit de l'aider. Oh, ça se sent pas par contre. Non, c'est trop. Oh bah on est trop bien là. Oh, oh ouais. Tiens, tu l'as bien cherché. Et alors? Ouais, ouais, oh. Ouais, j'ai appuyé sur E pour esquiver là. Puedes hacerlo. Esto es por meterte con nosotros. Dale una paliza, amigo. Je suis pas sûr que je suis en train de gagner ce combat. Bah, tu dois péter le nez, c'est déjà ça. Allez, amigo. Allez, dans la boue. Aïe. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Mais, moi. Ya basta. Et là, on enchaîne. Ah, je spam là. Bah, j'étais en train de m'amuser, j'étais en train de gagner. Je vais te tuer. Solitaria. Cállalo. Tu m'as esperando aquí, eh? On va jamais sortir pour bonne conduite. Ah bah là. Abre. Mais on va s'échapper. Allez, par contre. Quoi. Comme dans l'Orphelinat. Je vais devoir croupir là-dedans. Hein. Ou alors une personne haut placée va payer notre sortie de prison pour qu'on mène une quête pour lui. Je me gêner. C'est un peu plus probable. Parce qu'entre alors, moi et raison. Dehors, il y a une porte en acier de 2 tonnes. Là. Donc, On verra. Fuite de prison ou quelqu'un qui paye pour qu'on en sorte. Nous spoilez pas. Il y a même pas de chiottes. Debout. Dommage, j'étais en train de faire un super rêve. Hé, 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 on se calme. Doucement. Ah. Bah j'allais avancer. Et sinon je pourrais prendre une douche. Cállate. Bonjour messieurs. Ou bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye idiota, monte les escaliers. Esos dos tienen toda la suerte. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Vous allez trop vite, monsieur, là. Salut, ça va bien? Mais c'est pas évident qu'il se fasse péter la gueule par tout le monde, là. Il fait des petites blagues à tous ceux qui croisent. Qu'est-ce qu'il lui vole? C'est humide aussi. Bienvenue au Panama. Hey, gringo! Lo que hiciste a Gustavo. Je ne parle qu'anglais. Je ne vous comprends pas. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense. On dirait qu'ils vont prévoir un truc avec nous. Tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Vas-y. Lui, il est bizarre, c'est le seul qui est un peu gentil avec moi. Abre las rejas. Bon, attends, on va voir. Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Ça va bien, Asiento. Te lo adverti, pero no escuchaste. Oh là là, on est dans la partie de la prison où on fait des trucs... qui sont en dehors du règlement. Des trucs pas officiels, là. Bonjour messieurs, je passe. Non, je passe. Bonjour.
De este me encargo. Bien. Je te jure que ce mec-là veut m'aider. Ce mec est mon pote. C'est genre... Putain, comment il s'appelle dans Half-Life? Le flic. Barney? C'est Barney. Hey, où tu m'emmènes? Tu vas bien voir. Por favor, para, para. C'est par là, c'est la porte, monsieur? Bon, ok, si c'est moi qui décide. Oh là! Ouais, okay, d'accord. Bon, bah, c'est par là. Bah, ok, c'est plutôt par là. Bah, connard! Il est fou! On le savait, un peu ce trou du cul! Il est trop bête! Tu vas par là, non, par là, non, par là! Oh, ça a pas l'air louche du tout. Je vais me faire. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau. Stiller le l'asticot. Ouais. C'est juste une prison où les mecs. De la prison, ils te branlent, genre c'est trop bien. En fait, ils sont juste trop sympas. Viens là, je vais te branler. Viens là, je vais te faire un massage et te branler. Par là. Voilà, on sort vraiment de la prison là. Bah là, on s'est échappé. On y est. Contrôle. Ah bah d'accord. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. Ah, ben, c'était bien Barney. Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut. Il est super sympa. Mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place. Glimmer. Ah, c'était qu'il nous fasse entrer aussi. Rave te verse une très grosse somme. Il nous a fait rentrer en prison. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est pour ça qu'on était si détendu, on était juste en vacances. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Mmh. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis? Bah, il veut 10%. C'est une tout. Métaphore. Non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je veux en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. 1%. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. C'est pas si beaucoup. Jamais il reste quelque chose. Eh, 500 millions. T'auras 4 ans. Très heureux, ça place. Beaucoup. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. Alors, est-ce qu'il veut bien courir avec contrôle? À côté des caisses. Un peu, oui c'est vrai. Alors, il est caché à côté des caisses. C'est où? Ouais. Oh là, oh là. Ouais, ok. Et voilà, les doigts dans le ok, c'est un jeu où on glisse, pas de problème. Donc il a caché un truc à côté de caisse. Ouais, mais alors. Bah, il y a des caisses. Ah, c'est caisse là, parce que celui-ci a quand même pas fait tout le parcours. Attention à pas tomber dans le trou, ça fait envie. Mmh. Ouais. Mmh. Oh là là. Oh là, on a envie d'y aller dans les caisses. Enfin. Les affaires. Super. C'est le seul équipement qu'on a? Un grappin? Est-ce qu'il avait caché autre chose? J'en sais rien. Elle sert à quoi cette caisse dans ce cas-là? Cette caisse qui et roule? Et à quoi il sert ce trou? Je suis désolé, je vais y aller! Je vais aller dans tu ce peux trou. Y aller, mais cette caisse qui roule, elle sert forcément à quelque chose! Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Eh, qu'est-ce tiens! Là
Un trésor. T'es pas très bien caché. Hein. Non. Alors. Non. On peut la déplacer et monter dessus. Oui, je vais la déplacer et je vais la mettre. Bien, ça devrait faire l'affaire. Et là maintenant, le saut est beaucoup plus réalisable. Ça m'a l'air tout à fait faisable. On doit la faire tomber par ici. Attends, je viens d'où? Je viens de là. Si tu la jettes. Non, ça servira à rien. Déjà une première énigme. Ah bah là, on est complètement coincé. Ah, regarde. Allez, bah c'est bon, on met la contre le mur, bah voilà. J'ai compris. Oh là là, le jeu va être très très dur, je le sens. Heureusement, tu l'as mis en facile. Ouais, donc là, cette énigme aurait pu être beaucoup plus dure, mais là. Non, non, attention par contre, que ce soit bien noté pour la suite, le jeu est en intermédiaire. C'est vraiment très très difficile. C'est. Là, c'est cette cellule. Comment oh bah, c'est je vais pas... arriver là-haut. C'est pas tout près, hein. Ah bah. Alors, fais pas comme quand t'étais gosse. Wouhou hein. Parti. Ouais, j'ai compris mon erreur. Ouah, c'est un sacré saut quand même. Ah, ça fait mal aux chevilles. À l'instinct. C'est bien. T'as des couilles, j'aime ça. Faut pas attendre. Non, faut y aller direct. Voilà, direct. Il y a toujours un plan de secours. C'est les règles de l'escalade. Il y a toujours 3 points d'accroche minimum. Voilà, il y a le backup et le backup du backup. Là, regarde, par exemple, tu pourrais paniquer. Mais regarde. Ça va, heureusement, ils ont fait exprès que la descente soit très très lente. Ouais. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. C'est vraiment un jeu plein de testostérone. Bah vraiment c'est Lara Croft mais avec moins de nichons et plus de couilles. C'est Lara Croft mais le paquet est bien rempli. Alors là, on est là. Que, comment? Et si on est là et il faut monter veut... là sur ce et qu'on veut faire truc. Ceci. Ah bah tiens les petits sauts là. Ah bah wow, 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 wow. Comment ça va? Ah je peux pas aller par là, d'accord. D'ailleurs, plus simple. Vous pouvez me sauter sur le côté. Bah ouais, mais. Voilà. Tu pouvais pas monter. Je sais pas, ça me paraît être un saut bizarre. Un peu en arrière. Ah d'accord. Très compétent. Ça va me faire bizarre, le moment où je vais tomber dans le vide et mourir, ça va me faire bizarre parce que j'ai l'impression d'être invincible. Au moins Burn, ça prend il est trop fort. Ça va peut-être pas arriver. Hein. Non, je vais peut-être jamais mourir. Hein. Par là ou... Bon, j'en sais rien. Ou encore plus haut. Qu'est-ce qui... Wouhou oh. Ah, c'est plus une prise. Ça compte plus comme une prise. Tu te fous de ma gueule. Ça compte plus comme une prise. Putain. Il y a quoi encore plus haut? On a qu'à aller ah non, par tu là. Tu veux vraiment passer par là? Ça. Ça c'est quoi ça? Ça a l'air pas mal. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Oh non. Alors, et maintenant? C'est marrant qu'il parle de pirate parce que c'est le doubleur de Jack Sparrow aussi. Ah. C'est un mec qui accepte les jobs que quand ça parle de pirate. Sinon, vraiment. Ah bah voilà, la pièce est mieux éclairée, c'est plus sympa. Génial. Lire. Oh, et moi qui trouvais les prisons modernes horribles. Ça, tu dis pas vrai. J'ai pendu le premier équipage du capitaine Avery cet après-midi sous les yeux de leurs acolytes. Cet acte gratuit aura eu le mérite de leur insuffler assez de crainte pour ce qui va suivre. Une visite au reste des hommes enfermés dans la tour. Ces pitoyables pirates se sont jetés à mes pieds, me suppliant de les épargner.
Un jour, j'espère entendre de telles supplications de la part de leur insaisissable capitaine. Alors que je finissais de pendre le reste des pirates ce matin, l'un d'eux osait me proposer un pot de vin au moment où on lui enfilait son capuchon. Encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé où se trouvait le reste de sa bande et j'ai ouvert la trappe au moment où il répondait. Je n'ai aucune passion. On sait pas où est le trésor, pourquoi j'ai lu ça? Je sais pas, écouter, tu peux relire tout? Ils ont pendu des pirates! Super cette lettre. L'escalier, hein. Ouais, super cette lettre. Bah ouais, mais je viens de là, tu vois. Tu viens de là. Ah. J'ai loupé une marche. Là. Franchement, je viens de là. Je suis arrivé là. À croire que cet endroit tient encore debout. Ah. Ça m'intéresse ça. Une autre fenêtre. Je vais passer. Beaucoup de pirates ont dû par là. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Voilà. Oh, c'est bien de pas avoir peur de mourir, hein. Ça doit être sympa. Hein. Tout ce cas, il en a rien à foutre. Hein. C'est vraiment trop cool. C'est la cellule de Burns. Ah, une énigme. Oh non, pas une énigme. Oh non, je comprends rien. Oh non. Alors. Oh merde. Oh non, une horloge, je sais pas lire les. Oh non. Attends, dirige-toi vers la boussole, c'est plus simple. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah. C'est bien une partie du symbole. Oui. Et qu'est-ce que. Voilà l'autre moitié. Alors. Et une lune avec des petites croix. Ouais. Et un soleil. Eh ben. On peut pas plier le truc en deux ? Ah bah voilà. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Scorpion. Oh. Alors, la flèche, bah elle est là, la flèche. Donc c'est donc égal ça fait 10. 10. Et l'autre Scorpion, j'ai oublié ce que c'était le dessin. C'est. Alors je vais regarder, mais je crois que c'était. Ah, c'est un M avec, c'est un une, M flèche. Avec une flèche. Donc merde. 10. M flèche. Les bouillies et ses rayures doivent c'est pas ça. Il est où le M flèche? Bah. Oh. Bah. Il est pas exactement. Parce que là on a. C'est... Bon. Bah. Fou... Ma gueule! Et le M flèche alors? Attends. Ah, il est là? Attends, c'est ça le M flèche, non? C'est deux? Ça là? Bah. Ouais, regarde, c'est un M ah, et ouais, il c'est ça, genre... ouais, c'est ça, c'est ça. Donc. 10, 2. 10 et 2. 10. 10. Il est où le 10? 10. 10. Ah, il est là. Le chiffre romain 10. Ah, rien. Quoi? 1! Qu'est-ce que disait la lettre déjà? Tu te donc, fous faut faire les deux, faut faire gueule un 12 directement. X. I. 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 Ah, il y avait. Y a, il existe déjà le 12? Je sais pas, mais regarde si tu trouves un X, I, I. X, ah, il est là. I, I. 10, il est là. 2, X et I, I. Super. Je m'attendais à un système de fou avec de la redstone et tout, des pierres de pression et tout, mais non. Super. Le Christ. Oui, mais pas n'importe lequel. Ce qui veut dire en latin. Les faits sont les récipients. Il parle espagnol et latin. La base. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. La première marche est dangereuse. Ce serait bête de mourir ici. Après tout ça. Alors. C'est parti. Ça, c'est de l'urbex. Et après non. On verra.
j'improvise. Ouais. Je me suis même dit, est-ce qu'il fallait se laisser tomber? J'ai regardé un peu en bas et ça me semblait quand même vachement profond. Attention. Putain. Oh là. J'avais un pied dans le vide. Et tu fais quoi maintenant? Ah, tu sautes. Ah, j'ai compris. Et ensuite, tu sautes. Encore une fois. Ah. Mais ça te fait rire. Trop marrant de mourir. Je me sens vivant. C'était mon épaule. Ah, les petites blagues en plus. Super. Voilà, je veux ma part. Vargas qui a pas bougé son cul d'un centimètre. Et qui va prendre 1%. Ouais. Salaud de Vargas. Horrible. Oh bah ça c'est... C'est tranquille. Son doubleur. Il s'est chié dessus pendant le doublage. Ouais. Il savait plus trop où il était. D'accord. Faut faire le grand plongeon. Ah. Ah bah là. Ça c'est bon signe. C'est parti. Oh là 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 là. Bah attends, là ça n'a plus rien de pirate ici. C'est pas très pirate ça. C'est bon, on a trouvé le cristal d'or, c'est génial. Drake. Quoi? Quoi, tu veux 1% du Christ, c'est ça? S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? Oh, le menteur. Au bon endroit. Je sais pas, j'ai peut-être trouvé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam. C'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. On retourne en prison pendant un an, ça va être long. On fait la suite dans un an. Ouais. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. Un sacré acteur, Vargas. Oui, bah tu t'es vu, toi, avec tes wouh. Oh, je veux jouer. Je veux gagner des clopes. Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça ouais, va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Raif, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas. Pas du tout suspect, les trois blancos qui sont arrivés dans la prison en même temps là. Il y en a que trois, c'est eux. Bizarre. Discret. Ouais. Ah, la carcel. Ça veut dire quoi la carcel en espagnol, le chat? Bon, on sera tranquille. Je suis sûr que vous en savez rien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Et donc, toi, café espagnol, ça veut dire quoi? Oh, je vais le dire après, mais. Il attend que j'en le dise. C'est tout simplement la prison. Est-ce que je peux? Non, je le savais, ça c'est facile. Attention, s'il te plaît. C'est transparent, hein. Carcel, prison. Carcel. Incarcéré. Incrusté d'or et d'argent. Carcelleré. Presque. Incarcelleré. Complètement creux.
pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Ben, parce que c'est pas un crucifix. C'est une clé. Un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est... Et là, il n'est pas crucifié. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Les faits digna sont factice, des récipients. Des récipients. J'y comprends rien. Nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Oh, c'est quasiment ce que c'est moins bien dit, mais en vrai, c'est ça. Dans un orphelinat catholique. Donc, c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Ouais, super cette histoire, mais ça vaut combien? Parce que les gars, tu es Pawn Stars. Elle est super ton histoire, mais j'en ai rien à foutre. Je te reprends $20. Et le revends à combien? C'était en Écosse. Pas une coïncidence. Je vais appeler mon expert en crucifix de merde. J'ai des doutes sur vos deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de Stoira. Oh non, les gringos. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Je te préviens, je vais te branler et je vais faire ton linge pendant 2 mois. Alors tiens-toi à carreau. M'oblige pas à te faire jouir. Oh non, pas à deux, hein. Ça suffit. C'est jamais juste. Allez, nous aussi on peut le faire à deux. Oh bah oui, alors, j'apprécie ça. Ah, c'est des belles prises, hein. C'était propre. Oh là, il a rien pu faire lui. J'arrive. Ouais. Oh, je suis un gros lâche. Je me bats comme un gros lâche. J'adore. Ouais. Mais ils peuvent rien faire. Ah bah là, malheureusement, c'est pas leur territoire. Oh, c'est de la bonne baston là. Avec des bonnes couilles. Et les gars, on se met tous à poil pour que ce soit plus stylé. J'ai rapporté de l'huile d'olive sans m'adigeonner. Hola de ese gringo. Tu viens m'aider? Bah attends, je me bats avec mon pote là, non? Ah non, je suis pas sûr. Putain, c'est de la baston satisfaisante, ça se tape bien et tout, oh, j'aime bien. Il y a des chocs, bien. Ça vibre. Oh, bon, je prends cher. Attends, je vais refermer. Pas le supplice de la machine à laver. Vite. Ah, c'est toi qui se... Ah, j'imaginais autrement. Mal, par le... Mais ça doit faire très mal quand même. Okay. Oh non, on a perdu ce combat. Ya basta de hablar. Oh non, pas les couteaux, on avait dit pas les couteaux. Oh. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Quelqu'un veut que je lui rappelle les règles. Alinéa. Alinéa. ¿Qué es esto? C'est quoi? Donne. Est-ce que tu fais de la contrebande? Est-ce que tu fais de la contrebande? Tais-toi, qu'est-ce que tu prends? On le ramène à sa cellule. Je ramène les gringos à mon bureau. Déjenos. Déjeunons. 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 Déjeunons, je vous dis. Ça a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? Ouais, t'as menti, il le sait. Oh. Non, j'ai rien trop. Oh là là, Vargas est plus un allié. Dans une autre tour. Alors? On est des catholiques pure souche, tu sais. On a été trop gourmands. J'en ai toujours une sur moi.
Très drôle. Hé, hey, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ton flingue. Je dirais pas ça à un mec qui a un flingue, personnellement. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. Hein? C'est nous qui faisons tout le boulot. C'est énorme. Si on n'était pas là, t'aurais rien. C'est Webedia ou quoi? On est chez Webedia, là. 25%. Comme vous autres. Dis donc... Mais chez Bump, maintenant. 25. Ça vous paraît équitable? C'est mieux que Webedia, mais ça me fait toujours chier. C'est toujours du vol. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Don... Oh! Mais non, Vargas, il est pas si méchant! Je voulais pas partager! Putain, c'est vraiment une merde! Mais putain! Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue. Il faut pas lui faire confiance, putain, c'est sûr. Mais Raph, ça va pas ou quoi? Merde, qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez! Mais où, Raph? Ça faisait partie du plan, ça! Suivez-moi! Raph, t'abuses! Allez, dépêche! C'est pas vrai! Alors, ouais, où est-ce qu'on va? Ah, ils sont là! Ouvrez cette porte! Oh, il y a toutes les alarmes de la prison, on est dans la merde! Ouais, là, c'est chaud. Oh, oh, mais... oh, j'évite les balles en faisant ça. C'était une situation dans laquelle, normalement, je suis mort, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Vraiment, ah, là, de... Avec ce calibre-là, tu pourrais mourir. Putain, je suis encore mort. Bah, dépêche-toi. Ouais, plan B. Ah. Oh non, tu vas être le dernier, ils vont pas te donner la main. Débloque l'échelle. Super. Ok, ça va. Ah, connard, y'a plus de place. Il aurait pu attendre son tour, ce fils de pute. Ça doit être Raph, décidément. Ça. Ah, et à chaque fois, c'est moi qui prends les balles. Putain. ils sont partis où? J'ai pas vu. Ah, putain, les gars, dites-moi où vous allez. Et voilà, et nous on est dans la merde. Super. Eh putain, ça y est, c'est parti. C'est pas vrai. 3 gardes à main nue. 4, 5, 6, 6. Ah, c'est bien, ils viennent te t'aider. Ça va, c'est des potes, c'est finalement des potes. Non, il y a que lui qui est descendu, t'as vu, Raph, il est pas venu. C'est vrai. Ouh. Stylé. C'est vraiment stylé, hein. Ensemble. Oh, ça me rappelle la scène avec les Albanais, putain. Le double kick. De quoi tu parles? Ah, ça me rappelle un film que j'ai vu sur des Albanais. Moi aussi. Il va partir sans doute, c'est ça? Pas si on est assez rapide. Allez, après toi. On est connu, c'est quoi? Ils sont partout. Ça devrait passer. On se croirait dans un labyrinthe. Attention à couvert. Moi, on va pas à couvert. Je descends. Mais c'est que... là d'où tu viens. Ah merde, nous y revoilà. Ah. Ah merci. Il faut des coups en acier trempé pour s'échapper de cette prison. Acier trempé carrément. En titane. Avec la chatte que j'ai encore un truc qui va me briser qui va se briser sous mes mains. Oh là. Oh putain. Oh, attention. Putain.
Ils m'énervent parce qu'ils font genre je meurs pas et tout, mais je prends quand même quelques balles. Ils font chier. Non, c'est, ça te frôle, c'est le rouge que tu vois, c'est pour le, c'est du rouge de stress. Il va mourir. Je te tiens. Ouais, mais tu vas prendre une balle. Hein. Ils sont trop nuls. Mais. Oh. Ah, je oh non. Dit. Sam, non. Non, accroche-toi. Oh, on sera bien marré, hein. Salut le pour moi. T'envoie la main. Oh non, nous voilà coincés avec Raph. Allez, putain. Faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Putain, en plus, on se retrouve avec le plus méchant des, comme deux. Tu veux. Non. Ah, c'est quand même son frère en fait. J'avais un doute, mais non, c'est quand même son frère. Putain de frère. C'est son frère. C'est son frère. J'avais un doute tout à l'heure. C'est son frère ou pas? Oui. Non. Je crois que c'est son frère. C'est vraiment son frère. Donc en fait, effectivement, il est un peu triste en fait là. Sam. Son frère est mort. Là, c'est. Arrête, ça se trouve, il est pas mort. Ça se trouve, il va trouver un bandage en bas et il va survivre. Ah bah, il a quand même. Non, il est mort là. T'inquiète. C'est un plat. C'est pas. Et ça, c'était que le début, mesdames, messieurs. C'était que l'intro. Bravo Naughty Dog, j'adore ce c'était studio, sympa. Vous faites que des classiques. Sympa, sympa. C'est beau. Et mon jeu n'a pas encore crash. Génial. Ah. Super. Que des bonnes nouvelles. Vous avez rien à faire là, vous allez cliquer sur le lien dans le chat là. Point exclamation jeu. Oui. Wouhou. Cliquez donc sur le lien dans le chat là, voilà, pour nous faire plaisir. Pendant que c'est l'intro là, vous cliquez. Youpi. Il y a quelqu'un qui a dit bon, ok, je clique. Bon, d'accord. Acer qui dit en vrai, pourquoi il a tué Vargas? Mais enfin, pour ne pas partager, puisque Vargas voulait un pourcentage, c'est pourtant simple. Moi aussi, si, quand Sia Webmedia m'avait dit on va vous prendre 50%, à l'époque j'aurais fait eh ben tiens, prends ça. Si t'avais un petit couteau dans la poche. Si j'avais un couteau dans la poche, j'aurais fait eh ben tiens. Ans plus tard, mais là, les vieux Nathan Drake. Oh, il va avoir une belle gueule. Là, il va avoir le charme de. Ouais. Une gueule bien maturée. Charme des 40 ans, là, de la quarantaine. Peut-être avec des cheveux poivre et sel, pourquoi pas. Ouais. Malheureusement, non. Ah, ouais, il a glow up. Continue à descendre le courant. Bien sûr, tiens-moi au courant. Mais attends, je suis dégoûté d'avoir jamais joué à Uncharted en fait. Maintenant, je me rends compte que. T'as jamais joué à Uncharted en fait, bah non. Ah, pour moi, t'avais carrément tout poncé Uncharted. Ah non, non, non. Je sais pas, exclu console, je me disais, t'as dû. Mais justement, moi j'ai jamais eu. La première PlayStation que j'ai eu de ma vie, c'était la PS4. C'est vrai que c'est vieux Uncharted. Et tardivement. Alors que je sais que c'est culte, et je me suis toujours dit. Flemme de les faire alors que c'était il y a longtemps, là c'est un bon prétexte parce que c'est sur PC. T'as raté des choses, tu loupes beaucoup. Et il va y avoir un autre Uncharted bientôt ou pas? Et c'est dans les pipes, Uncharted 5. Parce qu'en vrai là le jeu, il est je sais pas quand il est sorti mais il est grave stylé. Hein. J'aime beaucoup, ah, enfin, c'est cool. Il est plutôt... Sympa quoi. Ah quoi que, je sais pas si c'est récent mais il est pas vieux non plus. 2016, ouais quand même. Mais c'est sympa ouais, quand à jouer. Même, hein. Ouais, putain. Bah ouais. Sympa à jouer. Je l'ai trouvé. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. Ah oh bah c'est celle où il y avait Hugo posé.
C'est bon, je vois l'intérieur. C'est bon, c'était pas un fake, il y a tous ces quels sont ça. Et puis, il est vraiment là. Ah bah je vois le cadavre, bah non, c'est bon, c'était une vraie vidéo. Hugo Posey est mort en 2016. En fait, il n'est jamais revenu. Hugo Posey est une doublure. Voilà. Oh. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. Putain, mais le son est encore baissé là. Non, mais là, il parle normal, il parle dans son masque. Ouais, bon, ouais. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la caisse. J'en ai trouvé une. Je pourrais pas faire de plongée sous-marine, je pense que je ferai une crise d'angoisse. C'est-à-dire que. Voilà ce qu'on va faire. Si à un moment tu te mets à réfléchir à où t'es. Et après, on te les oui, et à ce qui peut se passer. Ah, tu vois, c'est surtout à ce qui peut se passer. Genre au moment où je suis à. Je sais pas combien de mètres sous l'eau et que je me dis. Et si jamais j'ai plus d'air. Ouais. Mon truc se perce. Ou quoi que ce soit. Là c'est foutu. Concentre-toi de quoi. Je dois aller où. J'ai pas suivi Nathan, pardon. Je parlais de mes crises d'angoisse. Il y avait une caisse et j'ai pas pu la prendre et. Le chat, aiguillez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit Nathan? Une deuxième caisse à trouver. C'est belle lanière rouge. Cherche l'autre caisse. D'accord. Ça marche. Elle a dû tomber en dehors du. En dehors du. La caisse n'aurait pas pu dériver aussi loin. Ah oui, oui, mais oui. Alors si elle avait dérivé. Je suis bien d'accord. Avec les courants marins. Elle serait peut-être là, ouais. Par exemple. Ou là. Plutôt par là-bas. Ah là. Oh, bah tiens. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouver, plus qu'une. Mets là dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. C'est ce que vous appelez une remorque. Putain, mais attends, ça a l'air d'être super lourd à pas transporter. Ouais, je dois spammer espace. Ouais. On doit la remettre ici. C'est bizarre. Ah. Ah là, bah oui si. Là-dedans. Ça va pouvoir se soulever ça. Et voilà, une caisse de sécurisée. C'est des caisses de vin rouge en fait. C'est juste on est venu. On est juste venu chercher du vin rouge. Ah mais c'est quand même du Pinot Noir 1995, je suis désolé. Oh c'est bon, hein, y en a au moins pour 500 balles là-dedans. Oh, je peux remonter avec s'il vous plaît. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le cap. Je vais essayer de l'enrouler. Autour. Putain, ils se sont fait chier, hein. Ça devrait marcher. Ouais. Ah. Quoi. Ah, tu dois vraiment. Ah non, il y a une douche à presser. Ou tu dois vraiment l'enrouler comme ça. Ah, tu dois vraiment l'enrouler comme ça. Aïe. Ah, je suis coincé. Ah, il faudrait donner plus de boue. Ah bah non c'est bon. Ah ça fonctionne. Putain ils se sont fait chier hein. Ils se sont bien fait chier la bite quand même les développeurs. Putain bien joué stock. Ça. Oh là 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 le boulot. Putain Naughty Dog les enfoirés. Quel talent. Bien joué ça. Foiré. La remorque est attachée à toi. Ça a bien crunché ça dans les équipes. Bravo. Attends je vais remonter avec. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Je veux m'accrocher. J'essaie de faire un genre d'appel d'air pour remonter avec. Allez. Ok, ça te suffit ? Ouais, parfait. Ne lâchez pas sur moi. Tu vas aller en dessous ? On dirait bien. Comme ça, j'ai la deuxième caisse. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Ah ! Un millésime pareil, faut pas en perdre une goutte. Allez, allez. Et voilà. Oh. Quoi? Bah. Voilà. On peut se faire attaquer par un requin. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. C'est vraiment malade mental. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte. Ouais, pourquoi pas. Oui. Reviens-moi une fois sur les élingues.
Ah, les élingues. Je suis sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Oula. Oh, on n'était pas très profond. Regarde-moi cette beauté. Comme on est en pleine ville. Putain, mais je m'attendais pas du tout à être ici là. Moi aussi. Je croyais qu'on était dans l'océan. Ah ouais, ouais. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça va les gars? Je me permets de regarder autour de moi. Vas-y, je t'en prie. Je suis impressionné. C'est Brooklyn. Et vous savez où il est le vrai trésor? Il est dans la description. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez accès à ce trésor. Nathan Drake, Uncharted 4, ouais, avec Legacy Collection. Vas-y, je le rattrape. Donc deux jeux pour le prix d'un avec le co-créateur Wankid, vous vous rendez compte? Super. Une aubaine. Cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche. Et il est sympa l'autre, alors comment il s'appelle Du coup dans la collection il y en a deux et l'autre il s'appelle Truc. Voilà. Legacy, je crois que c'est son nom. Tu crois que c'est son nom? Je crois que la collection que s'appelle comme ça. C'est avec les gonzesses. C'est pas Theft. The Lost Legacy. Ah oui d'accord, donc c'était Legacy, mais The Lost Legacy. Et ben c'est inclus avec une sorte de 4, c'est The Lost Legacy. Attends, c'est le spin-off avec les grossesses. Avec les filles. Bah, tu sais que je sais me battre. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. Oh. C'est pas cool. Ah, bien envoyé Nate. Super. On en reparlera plus tard. Sa gueule me dit quelque chose. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Ouais, je sais pas. Me rappeler un acteur, mais. C'est la main, quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'il ait modélisé quelqu'un. J'en sais rien, je sais plus. C'est trop lointain. Plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi alors? Non, oh, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Bon alors, montrez-les-nous ces bouteilles. Et si on regardait ça de plus près maintenant? Alors? À toi l'honneur. Ah merci. Merci bien. Ouais bien sûr. Merci. Waouh! Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Je suis surpris de savoir combien ça peut rapporter. Je suis dégoûté. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher. Je m'attendais à ce que Nathan soit un peu plus stylé. Je pense qu'il sera plus stylé quand il aura la gueule pleine de terre et tout là dans les... Hey. Moi je vois bien, cheveux un peu plus longs, poivre et sel. Ouais, là il est un peu trop propre, trop gentil. Du cuivre. Pas assez de rides. Voilà, il fait juste un taf légal quoi, donc bon forcément ça le rend pas beau. Mais trop boulot dodo et hop. Hey, hey Nate, Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas.
Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les jours. Il a changé, Nate, un peu. Je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire à demander des autorisations et tout. C'est ce que tu veux. Il est vraiment chiant. Mieux que la prison. Il a vu son frère mourir de plusieurs balles. Je vais faire l'impasse. Et tu devras en faire autre. C'est vrai. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok. Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Je préférais le Nate d'avant, bouh. Tu es chiant. Nate, c'est prévu sur ce coup-là. Ah, quand même, on se renseigne un peu. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Ah, donc c'est pas le premier qui refuse, hein. Mais Nate, c'est d'ailleurs quelques centaines de millions dans ce tiroir. Une vie ordinaire. Bon, bah voilà. On va faire à manger, on va faire des pâtes. Ton grand frère. Super. Ça, c'est une ref, mais je l'ai pas. Oh, tu prends le crâne alors. Non, tu veux tous les prendre. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Là, vous j'ai pas les refs, ça me fait chier. Je suis sûr que vous avez les refs. Vous reconnaissez tout. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de Sully. Oh là là, alors ça, je m'en souviens. Et que dire de ça? Pff, oh là là. Un espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Truc de malade. Shambhala. Ouais. Que dire? Que dire de ce tableau? Ah, puis ah, c'est pas une ref. Okay. C'est pas ça. Si c'est ces énigmes complexes. Ça se voit qu'il est nostalgique de sa vie d'avant, d'aventurier. Il va y retourner. Il a encore goût de l'aventure. Est-ce qu'il a une femme et des enfants? Je pense pas. Alors pourquoi ça, pas? Non. Une virée inoubliable. Qu'est-ce qui l'empêche de recommencer? C'est plus tellement mon style maintenant. Moi si. On a des souvenirs. Cool. Bah. Voilà. Tout de ma gueule. Non mais t'as 5 ans et demi, Drake. Il se fout de ma gueule. Bing. Bing. Et bim. Fais bien gaffe à tes arrières. Bing. Mais il a quel âge? Bing, bing. Se tire en cloche pour celui qui est de Toho. Ah, il faut pas que je m'arrête. Poup, poup. Je t'ai eu. C'en est un, ça? Bah, on dirait. Bing. Ah. Bing. Trouvez des munitions. Ouais, j'arrive tout de suite. Oh, c'est ta femme. Tire sur ta femme. Ah, chérie. Donc on a vraiment une femme, on est devenu genre vraiment un mec avec une vie banale. Fait chier. Ouais, on a des tableaux au mur, on a un bureau et un Mac. Et des chiottes. Des chiottes avec des miroirs et des peignoirs. Avec une porte. Putain, et une imprimante laser. Non, mais non, on est vraiment monsieur tout le monde, c'est vrai, c'est vraiment nul. Une planche à repasser, je t'en foutrais, moi. Ouais, on a 40 machines à laver là. C'est trop. Attends, on a trop de machines à laver, me dis pas qu'on a un gosse. 15 ans plus tard, on peut avoir un gosse, hein. On a deux salles de bain. Oh, double vasque, bah tiens, pour une vie bien chiante. Un dressing. Dressing. Pff, tu verras, y'a pas un seul fringue à nous dans le dressing, hein. Bah non. Ouais, voilà. Et on est mariés. On est mariés, oh la catastrophe. Alors ça, c'est une cata. Wow. On a mis nous-mêmes les clous de notre cercueil. Oh putain, ça c'est grave, hein. Ah, je me suis bien amusé. Me montrez pas les gosses, me montrez pas un gosse. Par pitié. Il a fait une erreur, pas deux quand même. Il a pas fait la deuxième erreur. Regarde, il habite dans un petit quartier de merde. Ça se voit. Avec des voisins de un merde. Petit quartier résidentiel. Le voisin qui te demande si t'as passé une bonne journée quand tu rentres chez toi. Pff, ouais, ça c'est...
Ah, allez. On va aller voir l'autre conne. Tout le reste du jeu, c'est du banal, c'est... Tu prépares le déjeuner, tu vas au travail. Avec des CD de merde qu'on aime même pas. T'es resté drôlement longtemps là-haut. En fait, je cherchais un truc. En fait, je voulais pas te voir. Il y a des bières au frigo. Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas ? Bah voilà. Mon truc, là. Ah oui. Tiens. Problème. Super. Tu vois, je savais que je voulais une bière. Maintenant que j'ai ma bière, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse la cuisine. Apparemment, pas la vaisselle. Oh, la vaisselle, oh, ça là, c'est le bordel. Sûr. Ah, oui. Oh, mais... Et la bière. Mais c'est là depuis combien de temps? C'est froid, maintenant. Et... Voilà, c'est fait. Oh. T'as terminé? Ouais. Ah. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Mmh. Alors, ta journée? Quoi? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée? Oh, elle était sympa. Mmh. Un jour comme les autres au paradis. Mmh. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Mmh. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas... Voilà. Vrai. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton... Je me suis dit que ce serait sympa qu'on divorce. Eh ben... Qu'est-ce que t'en penses? J'ai tourné autour du tourisme à Bangkok, mais... Je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie, parce que... En arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme... Ah ouais, ça te manque, hein. Ça te manque, mon salaud, là. Tu fais même plus attention à ce qu'elle te raconte, hein. Oh, le bâtard. Elle est en train de lui raconter qu'il y a un gars qui l'a suivi dans la rue et qui a voulu l'agresser. Ah. Il y en a rien à foutre. T'étais où? Là, j'ai la ref. Agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi? Bah allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi importe mon article? Quoi? Celui-là. Sur les supermarchés. Oh, à putain, Brooklyn. C'était les vols à Bangkok. C'était les vols à Bangkok. Les vols à Bangkok qui sont. Qui ont des problèmes un effort. De la pollution et qui non, ne mais là, tu cherches. Pas atterrir. Wow. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais c'était quand vraiment même pas loin à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Ah. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein. Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Mais elle sait tout. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as... Mais elle s'occupe de ses affaires, celle-ci. Elle veut qu'on prenne attends. Le job. Mais je comprends pas, elle est même pas chiante, en fait. Mais non, en fait, elle est super sympa. Il a même pas les autorisations qu'il faut. Mais on va jouer son perso, là. Laissez Nathan faire sa vie de merde avec son pistolet à déchets, là. Juste une question d'autorisation. Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis bon, quoi? Elena. Deux ans? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose. D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de si moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok? Ouais. Oh. J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez. C'est que mon frère est mort. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, mais ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois ce même que ce petit jeu sur la télé, mais il a 45 ans. Mais c'est pas possible, il est très très vieux ce monsieur. Il m'a saoulé, hein. Ce petit jeu sur la télé, hein. Il est bientôt grand-père, je pense. Tu relèves le défi ou quoi? J'espère vraiment qu'il parle d'une émission de télé, genre question pour un champion dans ce cas-là, et pas d'un jeu vidéo. D'accord, je vois le genre.
Oh bordel, c'est le petit jeu sur la télé. Donc c'est le petit jeu sur la télé. La PlayStation 1, mesdames et messieurs, ce doux bruit. Je l'ai pas eu, je suis pas nostalgique, je m'en fous. Ça charge. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est pas... Hey ! Ah bah c'est parce que c'est eux qu'on fait Crash Bandicoot ! C'est Crash Bandicoot ! Naughty Dog ! Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est stylé juste, Comment on fait démarrer ? Ils se sont auto-ref. Appuie sur la touche Start. Je savais. Ouais, ouais. Sale boomer de merde. Alors, le but, c'est de courir vers la caméra. Oh, c'est moi qui joue! Ils ont inséré le jeu, c'est trop bien! C'est incroyable! Non, vraiment, ils sont forts. J'adore l'idée. Mais pourquoi il me poursuit, ce rocher? Arrête de parler, cours! J'ai rien fait à ce rocher. Ah, je vais tout faire pour pas mourir dans le jeu. Dans le jeu de ma vie, et tu cours vraiment dans le sens de la caméra, c'est atroce. Ouais, c'est très stressant. C'est... Tous les niveaux sont pas comme ça, hein, mais il y a des niveaux comme ça. C'est quoi, un renard? Et à la fin, ils sont vraiment durs. Crash Bandicoot, c'est un jeu qui est difficile. Quand tu croises une très chiant. Très sympa. Bah attends, mais là, le problème, c'est que vu que tu connais le jeu, tu vas faire vraiment un très gros score. Bah là, je vais finir le niveau, en fait. Là, j'ai eu mon checkpoint. Oh, aïe, aïe. Là, j'ai flippé. Là, j'ai un peu flippé, j'avoue. Pourquoi tu continues à jouer à ça? Eh, ils s'attendent à ce que je finisse le niveau, là? Je comprends pas pourquoi les gens jouent à ça. Ah, ok, moi, mais pas de problème. Non, je pense pas. Je l'ai pas first try. Parfait. D'ailleurs, les renards, ça ne veut pas faire ça. C'est un péramel. On écoute, ça veut dire renard en anglais. Non, ça veut dire péramel. D'accord, c'est une bête qui porte des baskets. Et donc, apparemment, les fruits, mal, les ça n'a jamais été des pommes. Pas mal. Tout le monde disait que c'était des pommes. C'est pas des pommes. C'est pas des pommes. C'est quoi alors? Là, tu vois, si tu disais ah, pourquoi tu ramasses des pommes dans les commentaires YouTube, tout le monde t'aurait dit c'est pas des pommes. Oh, tu n'as pas battu le score d'Elena. Oh les bâtards. Quoi? Ça s'arrête là? Oh putain, je suis mort une fois, je peux plus quoi. C'est ce que tu veux. Arrêtez de vous branler, on vous voit en bas à gauche. C'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Ah ouais. T'as vraiment l'intention de me réutiliser? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être ouais, ça. C'est ça, vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu non, vas on est en mode intermédiaire, Elena. Dans la vraie vie, de quoi on a pris des risques alors. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu dis ça Ah, c'est les fameuses chatouilles qui finissent comme ça. Est-ce que t'es heureux? Ah non, pas comme ça. Et puis la question qui dit tout. Oh putain, voilà, il est déprimé là. Oh là, il s'attendait pas à ça. Tu rigoles? Approche. Allez, baise-la, il va en Malaisie. Grand fou. Et les factures et les impôts. Oh, voilà. Putain de merde. Ah c'est moins marrant, Nathan, hein. C'était mieux avec l'argent au black. C'était plus marrant quand t'avais un frère, hein. On n'est pas encore ouvert. Inquiétant ça, c'est un jeu d'horreur. C'est fermé. Pourtant il n'est censé y avoir personne ce soir dans l'entreprise. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. On va se faire kidnapper. Oui, je peux vous aider. C'est un braquage. C'est son frère. Je cherche Sam. Mon frère. Un. Wouh. Il faudrait mettre des bruits de sitcom qui font wouh. Comme sur Disney où il y a une star qui arrive. Il y a Sam. Sam. Je vous l'avais dit, il est vivant. Avec à peine une éraflure. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il ne doit pas parler pendant 15 ans? Ouais, c'est un bâtard par contre, il aurait pu revenir plus tôt, non? Comment? Enfin, je te croyais. Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. Ça vache. Les docteurs, ils m'ont. Enfin, docteur. Ils m'ont un peu rafistolé, puis. Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais. J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Je le trouve que Sam, il a une coiffure de méchant. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Oui, parce qu'il a tous ses cheveux en arrière, comme si c'était un peu un fou. Ouais, je trouve qu'il... Eh bah alors, tu restes avec moi. Je sens qu'il va devenir méchant, je sais pas pourquoi.
Est-ce que Sam va devenir méchant? Sinon, il lui aurait pas fait une coiffure de méchant. Puis c'est vrai, ça, si c'était pas le méchant, pourquoi il a la voix de charmant dans Shrek? Trop d'indices. Il est machiavélique, ce mec. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant moi? Oh là, on se calme. Hein, on va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple? Tu t'es pris une balle? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya? Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Alors, le chat, c'est quoi le fact? On a pas la ref, c'est quoi pour vous le must à dire? C'est quoi la dinguerie? La mission de Dorado, fou. Le Shambhala ou la cité des pillés? Il y a beaucoup de 1 et j'ai pas pu appuyer. C'était le cas. Selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène. Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama. Ouais. Attends, tu sais pas la meilleure? J'ouvre le cercueil. Ouais. Et là, je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Ils ont parlé toute la nuit. Et on s'en est sorti vivant. Ah, ils ont fait une nuit blanche, ils sont même pas fatigués. Vraiment pas con. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Ah, c'est le truc le moins excitant que tu lui as dit de la nuit. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a attendu la fin pour lui dire. À propos de toi. Je pense vraiment que Sam, il veut se faire un bon dîner. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi? Il est revenu juste parce qu'il avait des problèmes. Je suis dégoûté. Quel gros bâtard. Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir? Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Eh bah, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie? De leur misérable boulot? Bah... ils ont leur femme qui les attend à la maison. Un peu de respect pour le personnel carcéral. Quoi, hein? Je le prends pas mal. Oui, oui. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition.
C'était quoi la citation d'Avery ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? Oh, notre ticket de sortie. L'occasion que tu attendais. C'est parti. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce que me dit aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Oh. Mais lui, il va pas se contenter de 50%, hein, monsieur Alcatraz, ouais. Alcazar. Oh, putain de merde. C'est presque pareil, c'est pas bon signe. Bon bah on est lié au baron de la drogue, au boucher de Panama. Ouais. Il nous a fait sortir de prison, lui est redevable, malheureusement. Bordel de merde. Non. Oh. Non. C'est... Non, c'est quelqu'un qui faisait juste son travail. Alcazar, oh. Fais un effort quand même. Il veut te donner le pistolet, tu ne le veux pas ? Ah pardon. Tu fais attendre un baron de la drogue. Je le disais pas. Vous êtes baron de la drogue ? J'hésite. Bon. Souviens comment ça marche. Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector, si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. C'est déjà le cas, hein. C'est parti. Macanlo. N'éloigne pas, ça. Let's go. Ouais, voilà, j'ai pris. Malheureusement. Attention, ne confond pas personnel carcéral et prisonnier. Faut surtout pas que je tire sur Alcaraz. Il va m'en vouloir. Oh là là, je comprends rien. Vous faites qui ? Ah, je peux tirer à l'aveugle. Pa, pa, pa. Ah, mais attention, il y a des alliés en face. Les gars, vous inquiétez pas. Ils volent tous mes kills, hein, vous avez remarqué. T'as vu, à chaque fois que tu veux tirer. C'est un truc de ouf. Ah, j'ai pas rechargé. Ah, j'ai pas de balles en fait. Ah, t'as plus de balles, tu dois juste courir. J'ai... A aucun moment ils m'ont donné des balles. Faudrait que j'en ramasse sur quelqu'un. Ah, derrière la taboutée, il y en a un. Ah ouais. Couvrez-moi. Hey. Mais je vais vraiment pouvoir jamais tuer quelqu'un. Bon merde. Truc de ouf. Si je vais pas viser. Des munitions. Ah. Le plan est parfait. Ah, le shift m'énerve. Oh, le shift m'énerve. Ah voilà. Oh. Ça j'aime bien ça. Bon et maintenant. Estamos en position. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi ? Y'a pas de soucis. Quoi ? Allez, vite. Est-ce que tout va bien ? Putain. Faut prévenir les gars. Estamos bien. Ah désolé le chat, je fais même plus la traduction, j'ai. Mais. Et dire que t'aurais pu les épargner. Bon bah, franchement, c'est leur faute. Oui. Prends ta canarde, hein. Reprendez. Vous êtes... J'ai hésité, vous êtes du personnel ? Ah, reprends des munitions au sol.
Oh, vue. 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 Mais c'est un petit filou, lui. Oh bah. Pas pour longtemps. Oh, je carie l'équipe, là. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre une balle dans la tête à Monsieur Alcazar au dernier moment pour pas lui être redevable? Monsieur Alcazar, j'ai eu une idée. Samuel, dans une minute, soit on est libre, soit on est mort. T'es prêt? Super. Oui. Wow. Oh, t'as de la chance. Ouais, j'étais pas à loin. À ta place, j'aurais tiré à l'aveugle. J'étais pas loin. Oh, je veux des munitions à l'infini. Tu vas arrêter de voir les munitions. Je veux toutes les munitions de la map. Ah, pardon, j'ai eu le dernier moment. Tu pouvais attendre quand même à couvert. Quand est-ce que ça s'ouvre? Ça c'est la merde. Oh, il m'a poussé. Ouais, c'est vraiment à l'aveugle, hein. Ça tire n'importe où. Oh, je l'ai eu. Oh, t'as tué. Ah, ça marche, hein. Oh. Ouais. Ma couverture. Ah non, mais t'as vu, ta couverture elle est de plus en plus cassée. Ouais, elle galère, ma couverture. Ah, il est mort. Oh. Eh, ces mecs savent faire des scènes d'action, hein. C'est stylé. Oh, décidément, à chaque fois, t'es dans l'axe de l'explosion. J'ai l'impression que je suis jamais prévenu. Genre, je suis toujours celui qui sait pas. Bon bah, c'est réglé. D'accord. Pas de problème. Bon bah, c'est réglé. Oh! Ah! Ah, c'est l'endroit où t'avais été bloqué. Ouais, ça me. Effectivement. Non, non, vous non, êtes des alliés! Ça se voyait. J'ai canardé dans le camion. Entrée de la prison. Tu sais, bah, ce qui est con? La carcène. Restait juste deux jours à purger, hein. J'étais vraiment très pressé. J'avais pas compté, en fait. Je croyais... Merde. Agua, ça veut dire oh. Waouh. Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit. Ouais, tu vas me ramener le trésor du pirate, sale petite merde. retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry? C'est difficile à dire. Faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Ah, il est moins agréable. Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Il va lui voler son goûter, là. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, mais... En fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même des pistes solides. Oh, d'accord. Attends, attends, les... Non, 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 attends, non. Hé, hey, doucement! Alcaraz, mon vieux pote. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame un cuchillo.
Donne-moi un petit couteau. Le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. C'est un gros couteau, ça. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Il va marquer sur son torse. Combien de temps? Le contrat. 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. Ah, il aurait dû dire un an, il aurait eu 6 mois. La moitié du 13. Il est bête. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis. Bon, je vois pas comment, pourquoi un mec comme ça lui prendrait pas 100% du trésor. C'est clair. Vite pour avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein. Vamos. Connard. Et quand je l'aurai trouvé? Toi, tu vas peut-être me traiter de fou, mais j'ai pas confiance en Alcazar. Quand le moment viendra, je viendrai chercher papa. Bah mec, je comprends pas. Il lui a donné de l'eau et des billets, genre, c'est quand même super Samuel. Sympa. C'est pas, il est louche. Donc, Alcazar m'a laissé mettre les boules. Voilà, et ça c'était il y a 2 mois et demi. Bon. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avrin ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Oh non, il a indiqué sur de mauvaise piste. Tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Non, et c'est pas ça. Je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. Ah, non, il a caché un truc. C'est fou ce qu'on peut trouver sur internet de nos jours. Sur un forum. Juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Mais alors qu'est-ce que... Et elle est sur le bon coin. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... C'est dingue. ...se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au Domaine Rossi. Mamma mia, on va s'incruster dans les enchères. Au Domaine Rossi. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, mais je me dis Nathan, t'as changé par contre. D'être invité officiellement. C'est pas un problème, tu passes par la fenêtre. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé. Ouais, mais pas. Lui, il a golf dimanche ça, et samedi, il va au brunch, non, donc il peut combine, pas. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Je sais pas, moi. Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui non, que j'irai non, voir non, pour non, un coup pas, comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Je préfère mettre mon frère dans la merde. S'il y en a un qui doit mourir, c'est toi, Nathan. Moyen. Tu piges. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Il est casse-couille, lui, avec son histoire, là. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles.
Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Il est en train de mentir à sa femme, très mauvaise idée. Je crois que super, super mariage. Hein. Tu vois quelque chose? Rien petit côté qu'une Hitman, bande de là. Criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Je me moque de lui parce que c'est un homme marié, tu as remarqué. Ce serait beaucoup plus simple ouais, si on était bah... tous les deux. Ça... Mais on oui, je suis le malin pour un mec qui est parti 15 ans et qui revient avec une histoire de merde. J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un prototype pour les 10 subs. Se dégonflerait. Non, GG. Merci, prototype. Lui. Et s'il se faisait prendre? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Ouais, il y va, les gars. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Que... Tu vois? La confiance. Quoi? Essaie de pas salir ton smoking. Merci. C'est beau. C'est très beau. C'est très joli. 2016, les enfants. Bon, c'est vrai, remaster, ça? Un peu remaster, j'imagine, mais. C'est un peu remaster, ouais. Mais 2016, quand même. Hein. Très joli. Non mais vraiment, Naughty Dog, ils savent faire des jeux vidéo, hein, les salauds. Je crois que je suis sorti. Les animations et tout, c'est clean. En Italie. Moi non plus. Cela dit, j'aurais pas remaster du tout, bah juste c'est trop stylé. C'est pas remaster, bah putain. Bordel de merde. Mais c'est pas la première fois que tu viens ici. Impressionnant alors. Non, ça doit faire la troisième fois, pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Oui. Ça c'est pas remaster ça. Mais mon cul que c'est pas remaster ça. 2016 regarde mon cul. La vue. Oh. Oh, guide-moi là le PNJ là. Ah. Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre. Une poutre, une belle poutre. Tu poses la question. Une belle poutre bien solide. Ah, tu t'avais pas la ref. Une poutre. Bon, bah... Alors que c'est toi qui le dis en plus. Tu vois? Bon, j'ai pas, je l'avais, hein, mais j'ai pas osé. Hein. La blague de la poutre a été bannie. La ref. Mais si, je l'avais. Honte. Là, il y a deux streams, je crois, on a parlé d'une poutre et j'ai rien dit. Ah ouais? Pour votre main étendue, vous pouvez sauter et vous accrocher. Mais là, c'est à gauche, là, sous le pont. Là, voilà. Ah, je regardais pas. Ouais, et il y a deux streams, ça a parlé d'une poutre et je me suis dit, ouais, il a rien dit, je vais rien dire. Donc, entre nous. Ah ouais? Ouais. Soit sur Plague Tale, soit Ghostbuster, mais à ce moment-là, t'as rien dit du tout. Oui, mais vu que t'as rien dit là, tu peux très bien mentir. Ouais. C'était sur Plague Tale. Ok. Hey, il paraît qu'on peut se balancer sur la poutre là-haut. C'est sûr. Et alors? Ouais. Ah, mais alors, il faudrait lancer là, genre on saute et on lance. Là, non, je me lâche et je lance. Ah, attention, hein, on en a skip quelques-uns là. Ok, c'est parti. Aïe, aïe.
premier coup. Ah mais lui, il l'a fait, lui. Mais il est très intelligent, ce... C'était vraiment ça, du coup. Okay. Faut que tu retournes en haut. À mon avis, si tu descends, ah non, fallait... Oya c'est bon, j'arrive. Oh. C'est trop bien, ça. Okay. Ah, ça, tu vois, genre... Fait. Alors, toi, tu vas dans une grotte, mais moi, ça, en via ferrata, je veux bien le faire. Bon, avec plus de sécurité, évidemment. Ça, là. Ça fait peur, non, mais quand de... même. Avec de la sécurité. Ouais. Courir sur un mur, ça fait peur, quand même. Hein. T'aimerais pas trop le faire, si c'est sécurisé? Si, si, bien sûr. Voilà. Alors, maintenez Z pour balancer. D'accord. Bah laisse de la place, connard. Ouais, c'est clair, j'avoue. Dégage. Mon cul de singe, là. Dégage. Ça tombe bien pour vous, le tchat, je connais aussi l'italien. Hey, est-ce qu'on met sur la partita? Inghilterra vince. Inghilterra, traditore. Hey, non confonde. Allons manger le poulet pendant qu'il est encore chaud. Okay. C'est bon. Non, mais c'est c'était pas... Et en plus, c'était pas sous-titré, hein. C'est purement à l'oral. On aurait dû prendre des tingles. On va gérer ça tout en douceur. On en aura même pas besoin. J'espère que t'as raison. Ah, toutes ces années. C'est les petites choses qui m'ont le plus manqué. Voilà notre tonnerre. Pas ok. Pourquoi ils veulent qu'on... Je fais ça. Ah, ils veulent peut-être qu'on s'en serre et qu'on descende. Wouhou. Voilà. Maintenez enfoncé. D'accord. Ouais, faut descendre plus bas parce qu'à mon avis là... Sinon, c'est un peu haut. Encore un peu. Tac, 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 non, tac. Tu veux vraiment le faire d'ici? Oh la vache. Wouhou. Ah ok. Oh putain, d'accord, c'est pas ce que j'avais en tête. Allez, je te rattrape. Lui, il va mieux le faire, j'imagine. Je te rattrape. T'inquiète, je prends pas du tout la place comme tout à l'heure. J'ai cru qu'il allait tomber. Il est mort, parce il est mort. Que tu le bloquais. Il meurt deux fois. Alors, oh non, encore mort, merde. La fameuse découverte, celle que j'ai manqué. Au moins t'as pris des photos. C'est très joli. Quoi, tu veux parler? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos, mais la caméra a pas survécu. C'est dommage, ça. J'ai quelques dessins, quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça, t'as des dessins? Ça a l'air d'être là-haut, quand même. Et ils sont aimantés sur le... J'adorerais m'accrocher à ces fougères, mais... Ah, j'ai trop hâte. Y'a pas d'endroit où accrocher une corde? Ah, attends, parce que... Prenons de la hauteur. Ah, ah ouais, de la hauteur ici, là. À partir de cette arche. De là, faut faire donc un j'étais truc. Bien en fait, j'étais arrivé directement là où il fallait. Voilà. Oh la vache. En une ça fois. Pas de problème. Ah, par là, ça a l'air pas mal. Un petit singe. Ça a l'air carrément dangereux, tu veux dire. Ouh, attends, passe pas derrière moi. Ouais, ouais, ça va. Ah. Il y a un âge où il pourra plus faire tout ça, Nathan. Ouais, là, c'est les dernières années, hein, Nathan. Fais attention. Hein. Profite. Alors. Alors, je pourrais sauter, mais ce serait quand même un peu abusé, là. Ah. T'as pas intérêt à rater ton coup là. C'est mieux. Ouais, ouais, je sais. Mais je rate jamais. Tu nous... Il est plus tout jeune. De la corde. Galère. C'est bien, t'as pris de l'élan. Allez, je peux le faire. Admire un peu la vue. Oh pardon les gars. Pardon, waouh. Ça c'est pas de la vue qui se fout de votre gueule. Non, je vais jeter mon alliance pendant que j'y suis. Allez viens. Ah, j'aurais trop peur de prendre quelqu'un par la main comme ça, j'aurais peur qu'il m'emmène avec lui par dessus. Ah ouais, c'est pas que t'as peur de le faire tomber, c'est que t'as peur que lui t'emporte. Ouais c'est ça, donc je l'aiderai pas. Oh. Ouais. Ok. Ça va? Ouais. De quoi j'ai l'air?
d'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Bon, tu dois partager, tu te souviens? Ouais. Déjà, tu dois faire 50-50 avec le baron de la drogue et ensuite 50-50 avec Nathan. Tu sais ce que j'aime, c'est la règle. Vous êtes organisé chez les escrocs. Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un lui, je crois qu'il est très cool comme personnage dans le lore de Uncharted. Tu viens de mon frère? Alors, le chat, ça vous fait plaisir d'avoir Sully? Pas incroyable. 15 longues années. Ouais. Content de t'avoir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais. À ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Venez, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. Ah, il est déjà en vente? Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, maxi. On lève la pancarte quand on fait monter les enchères? Ouais. Le seul petit alors qu'on a aucune thune. Une centaine de témoins, c'est tout. On fera un chèque en bois. Okay. Hop, l'affaire est réglée. Prenez les chèques, nickel. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ah ouais. Ah bon? J'aurais pas dit ça. J'ai jamais entendu ça personnellement. Ventilation. Après j'ai jamais été en tôle. Je vais en prison 4 fois et j'ai jamais entendu ça. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Excusez-moi, monseigneur. Ça va, merci. Des antipastes? Salut. Comment ça va? Des antipastes. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Non mais je sais, le chat, il faut que ça marche. Je rigolais. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Victor, je dois dire que les années glissent sur toi. Parce que je suis devenu végétarien. Scusi, c'est vrai? Scusi? Scusi. Squeezie. Ah, Scusi. Putain, je suis une anguille, je me tords dans tous les sens. Ah, ok, j'ai oublié ce que je dois faire, les gars. Alors, tu dois aller faire qui? Ah, Sully. Ouais, d'accord. Là, Sully, il comprend pas pourquoi t'es en train de le suivre. Il est bizarre, il a oublié ce qu'il doit faire ou quoi? Je vais y copier, je vais faire tout comme lui. Parce que j'ai rien écouté. Il met des petits coups d'œil à l'arrière, des fois, ça se voit qu'il est mal à l'aise dès que tu le suives. Tous les paiements sont exigés à minuit ce soir. Prix de départ, 200 000 euros. Ah, mais ça, c'est pour... Ah, c'est attends, terre oui, cuite, non. 4 archers en terre cuite, cratère d'un... œuf à la poule, statue d'un prince part, cône syrienne, crucifié en bois incrusté d'or, 20 000 euros. Bah, 20 000 euros, bah, ça va. On peut pas se une le OP, payer. On le paye le truc. Putain, allez, c'est ils bon. Ils peuvent même pas se le payer quoi. La honte. Les après, nuls. C'est en chair de départ. Hein. Ouais. Ah, bah pourquoi je caresse les murs? Pourquoi t'as frotté? Ça, c'est du marbre. Ça. Attends. Attends, t'es moi d'un doute. Mais il a plus envie de le caresser là. Attends. Ah non, attends, il a vérifié pris, si c'était du marbre pris, et c'est bon. J'ai pris le papier, je l'ai posé et après j'ai vérifié si c'était du marbre. Voilà. c'est bien du marbre. Allons-y. Oh, quel luxe. C'est évidemment, faut qu'il passe de la techno européenne à deux balles. Et où l'américain là? Ouais, doucement, jugement des cultures. Midi spiacé. Oh, je vous en prendrai bien, honnêtement. Okay. Oh, ouais, moi aussi. Je vous en prends même 3. Putain.
Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Bon, et alors, on peut la forcer ? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. Ta carte est mienne. Toi ? Dans la poche arrière en plus, ça fait envie. Qu'est-ce que vous avez ? Un Bordeaux 2005 ? T'es sûr de pouvoir faire ça ? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois. Ok. C'est très simple. Excusez-moi, mais vous avez un joli petit cul. Et là, tu le prends. Tu mets une petite claque, et quand tu mets une claque, tu prends la carte. Oh, oh non. Comme sur les roulettes, j'ai même pas encore essayé. Je me permets. Faut que personne te crame. Attends, ça m'a cancel direct. Ouais, faut que tu restes concentré sur son cul, je crois. Oh, c'est pas vrai. T'es sûr que tu veux pas un coup de main ? Non. La technique, c'est de le bousculer. Ouais. Dans les films, c'est étonnamment simple. Hein. Une bousculade, hop, tu l'as pris dans la poche intérieure de la veste. Bon, bah, tu sais, dans les métros parisiens, c'est étonnamment simple. Hein. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Alors quoi ? Il est où ? Tu vas suivre tous tes mails parce que là je pense pas qu'il est en train de... J'ai encore rien compris, merde. Je crois que tu dois juste retrouver le serveur. Non ? On boit pas en mission. Je regarde là mais je... Non là j'ai vraiment pas lu ce qu'il me disait de faire là. Ah c'est lui. Ah, il va lui parler. Je peux pas là. Putain, il est collé à la table. Ah oui, 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 oui. Bah voilà. Et il doutait. Il me dérangeait pas du tout, je les ai complètement frôlés. Ok. Allez, on va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Imagine, Nana se le met dans le cul, elle a pas compris. Ok. Bonne chance. On reste en contact. En l'air. Alors, bonjour, est-ce que c'est un des personnages qu'on joue dans le spin-off ? C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. Oui. Waouh. Oui et non. Parce que je sais qu'il y a une indienne qu'on joue. Ouais. Mais est-ce qu'elle aussi on la joue ? De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir. Elle est là, mais on la joue pas. Je vais aller me chercher un verre. Ah, mais elle est là, tu rapportes quelque chose ? Oui, un whisky. Ouais, ça reste Nadine. Je reviens vite. Excellent. Ah, c'est Nadine, hein. La goutte. Elle est top, Nadine. T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. Il va falloir qu'on trouve où crèchent les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, alors direction la cuisine. J'arrête pas de toucher les murs. Ils veulent vraiment savoir en quoi c'est fait à chaque fois. Ça, c'est de la brique. Pour nourrir tout un village. Ah. Oui. Oui. Pas doute. Ah,
serveur là-dedans ? Non, que des gorilles armés jusqu'aux dents. Merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette porte n'apparaissait pas sur le plan. C'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. Oh, la belle bouteille ! Elle est belle. Don Gastro. Buvez-en une goutte et vous verrez. J'adore le Don Gastro. Mais pas tous les soirs. Hein. Ouf. Tiens, il y a des conduits d'aération. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour accéder à cette pièce. Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... Putain, le briquet de malade. Pourquoi ? Wow. Ah oui, c'est vrai, j'ai éclaire beaucoup. Ah mais c'est vrai que ça... C'est pas normal d'éclairer autant. Oh, il est exceptionnel, son briquet. Toutes ces vapeurs, là. Ça commence à monter, la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ces tonneaux. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Ah, faut pousser je ça. Me dis ouais. Que ça suffira pas. Il y a des roulettes. Ouah, faut le tirer. Vu les roulettes. Ouais, parce que s'il n'y a pas beaucoup de fond, on voudrait plus le tirer là. Ouais. Bien. Hop, t'as vu ça ? Je sais faire ça. Hop. Petit saut de cabri. C'est pas un peu inquiétant, Victor drague Nadine Ross ? Il y a des histoires flippantes pour sur elle et ses hommes. T'inquiète pas, poursuis. Hop. Il peut sortir de n'importe quelle situation. Par là. Éclaire mieux là, Aziz, ouais. Lumière. C'est ton taf là. Ouais, j'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Et on va se servir du tonneau pour monter. Tiens le briquet. Non ? Ah non. Bon, ce serait bien. Ouais, mais en fait. J'ai pas l'impression. Je peux plus. J'ai l'impression qu'on peut faire avancer ou reculer. Ah ouais. Ok. Si, encore un coup ? Ah, c'est parce que je tourne ma souris. Okay. Oh bah ! Par là alors du coup. Bon, super. Allez, on perd. Et voilà. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Non rischio pas de manquer de cervello dans le coin. Tanto non capirebbe la differenza. Ouais, le saucisson, je pensais vraiment l'avoir mis ici. Questa gente. Questa gente deve farci ammazzare. Oh non. Ah. Ok. Il a pas couru comme un ahuri le premier. Ah, j'ai pas fait gaffe. On aurait dit un enfant de 6 ans qui courait. Dans un truc très bucolique, genre. Genre hihi. Eh, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio là ? Tu veux dire la tour de relais ? La quoi ? Peu importe, c'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Oh, faut pas me le dire deux fois. Oh ! Ça, bah tiens. Je vais t'aider à monter. Oh, c'est haut quand Vas-y. Même.
Allez. Heureusement que tu t'entretiens. Sully, on vient de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Comment ça se présente? Sully? T'es là? Encore une échelle. Putain, je suis rétamé. J'espère qu'il va bien. Bingo. J'ai trouvé la cuisine. Bingo. Les hommes, regarde. On peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Ok, on échange. Ok. Oh, le con. Y a pas de problème. Je me suis mangé le mur. C'est bon. Y'a quelqu'un. Il va falloir lui mettre une patate, je pense. Il va nous voir. Oh putain. Buonasera. Je répare l'échelle. Qu'est-ce que t'as fait ? Vas-y, mollo avec les civils, Sam. Quoi ? Il va se réveiller en quel but avec la migraine ? Ça nous est déjà arrivé, non ? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, direction le local électrique. Bonjour, bon, mettre KO quelqu'un avec un simple coup de poing, faut quand même... Ah, faut y aller, hein. Faut avoir de la technique, quand même, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Sérieux ? Mais je peux plus respirer. Ah, bah c'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de taux, là. Bon, retourne à la salle de balle, gros malin. Sam, t'es là ? Oui, Sam. Ça j'adore. Sully ? Super. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de moyens de monter partout, j'ai l'impression. Plein de routes. T'as eu vraiment beaucoup de courage quand t'as sauté d'un coup là. Ah, j'ai pas fait attention. En tout cas, cette route... Sauté... Ah, ça, faut descendre. T'es mal. On va y aller. Oh, putain, tu t'es accroché au dernier moment. Oh, ah, mais y'avait un rebord de fenêtre là. Mais déjà qu'il y avait eu de la chance une fois. Regarde. Putain, je vais pas plus d'itif. Bon, hein. Moi, je me suis dit. Voilà, allez, là il s'accroche. Oh, tu as été lentement là. Pourquoi tu sautes pas sur la droite, ta patrouille? Non, apparemment il veut pas. Ah, oh, bah de toute façon, c'est pas là. Ouais, ouais. C'est pas trop là. Hein. Ah, là il veut pas sauter par exemple. Non, mais il y avait un chemin là, t'y es plus. C'est quoi, c'est de l'autre côté. Mais. Comment ça m'emmerde, il veut pas sauter. T'as faut de l'endurance, hein. C'est pas mal. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien. Carrément envie de faire ça, je sais pas pourquoi. Ouais, bah ouais, j'imagine, puis encore. Hein. Puis ça, hein. Aucun risque. C'est vachement bizarre parce qu'on dirait que c'est un chemin fait pour les mecs qui jouent aux jeux vidéo ou pas, et qui n'était pas vraiment prévu par les développeurs comme chemin officiel. Alors que pourtant. Tu veux dire que je suis super fort ? J'ai pas dit ça. Ah, pardon. Quoi, sans élan comme ça ? Ah ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Forcément. Ouais, bah c'est mérité de ouf. C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, oh, Sully, arrête de baiser là, c'est bon. Putain, concentre-toi. Et bah, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais ? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire, Drake ? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort ? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé et il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non ? Pour rentrer souvent dans la discussion des gens. Ah, Victor. Bref,
Oh, Rafe. 10 ans, peut-être. Sacré Rafe. Rafe, le salopard qui avait tué... Le temps ne cesse de s'écouler. Vargas. J'ai oublié son nom. Vraiment ? Je m'en suis souvenu parce qu'il a le même nom que dans Better Call Saul. C'est mon affaire. Ah. Voilà, bon. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Oh, tu dois te toucher un salaire de ministre. Putain, Rafe, il va nous faire chier. Tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça il va vouloir racheter le lot. Aujourd'hui, bah ouais, il a eu la même idée, je pense. Il a eu la même. Il allait sur le même forum. Le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Ouais, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant anonymes. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Ils sont ensemble. Oh putain de merde. Les soucis. J'ai tous tes élans. Mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je vois. Oh, quel charmant petit couple. Nadine, t'es tombée bien bas. Je croyais pas comme ça, Nadine. Bon, avec comme j'ai pas envie de tenir ton visage magnifique. Je vous souhaite une bonne soirée. Et tes jolis biceps, regarde-moi ça. T'es possible, ça vache. Eh, ça se voit qu'elle aussi, elle fait des tractions. Hein. Wow. Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête de conneries, je débris. Fais gaffe parce que Rafe il a tendance à tuer des gens. Fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la croix d'Avry, alors là je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera inquiétant. Putain, on avait une conversation hyper subtile et pleine de métaphores et lui il cassait les couilles. On était méchants entre nous et lui il est de ça, abruti. J'ai compris, je crois. C'était super classe comme scène et il a tout ruiné. Ravi de vous avoir revu. N'oublie pas que c'est un gosse de riche. Hein. C'est vrai. Nate. Ça se voit. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? N'empêche que les deux experts, ils ont pas vu son oreillette. Hein. Nulos. Le fameux local. Bah, les Albanais, ils avaient pas vu que t'avais une oreillette non plus. Quels Albanais? Dans un film que j'ai vu. Ah oui. Et t'es pas avec moi du coup? Non. Probablement un mec qui me ressemblait. Un mec qui te ressemblait. Dans un film. D'accord. Mais pourquoi j'ai choisi le local électrique? Oh, ouais, cette barre, elle a l'air solide. Oui, bien sûr. On va pas rester longtemps dessus. Oh, je t'envoyais pas aller dessus. Hein, ça fait plus peur quand on regarde que quand on le fait. Ah, faut des. Alors attends, s'il faut ni mon. S'il faut monter. Ah, si, assurément, faut monter, mais. Ouais. Ah, et par là, hop, oui. Et hop. Ah bah voilà. Oh là là, attention. Là, si tu coupes tous les câbles. Ça marchera. Ça passe, ça. Oui. Ça me fait penser à la vidéo avec les abonnés où j'avais plein de câbles. Enfin, le film où il y avait plein de câbles à couper. Le film. Le film avec les abonnés. Je l'ai vu aussi. Pronto. Che cosa? Allô? Si. La gastro, si. Si, don gastro, si. Ciao. C'est parti. Bon, où est-ce qu'ils sont ces disjoncteurs? Ils sont là. Assurément ici. Hein. Bah, tu m'étonnes. C'est pas vrai. Bah, après, on passe, hein. Ça, en vrai. On passe de ouf. Avec un petit effort, si la tête passe. J'ai eu un peu de mal. L'ascenseur, ça passe. Plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment ou jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Fais-toi une perche avec des trucs. Avec la croix. Attends, pour appuyer sur le bouton. Rafe,
Rafe est dans la salle? Oui, Rafe est dans la salle, et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Renchéris, t'as pas le choix. Et avec quoi? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole ce truc, t'as oublié? Et s'il renchérit pas sur mon offre? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchérir? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Moi, si je me retrouve avec la meilleure enchère, c'est bon, je vais couper l'électricité, je suis pas con. Il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Fais-moi confiance. 90 000 une fois, deux fois. Alors, allons-y. Bene, nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Oh, grâce. Rafe, t'as le seum. Oh, il va être colère. Nous avons désormais la somme de 110 000 en plus, euros. En plus, on lui fait cramer ses thunes. On va m'arrêter en 6 mois. Nous en sommes à... T'en fais pas. On sera dehors en moins de 2. Allez, bah vaudrait mieux. Ouais, bah... Ok. En moins j'ai juste à casser le verrou. Et avec quoi? L'enchère atteint désormais... Avec des outils. Ah, ce serait trop simple, hein. 140 000, ça commence à faire, ça va commencer à 20 000. À 150 000 euros. Il doit bien y avoir quelque chose. Allez. Et voilà, ça commence à être un peu plus. Ouais, je fais ce que je peux. Oui. Allez, tous les trucs évidents, évidemment. Ah, c'est bon. Super. Ce monsieur nous propose maintenant 160 000. Oh, 160 000. Ça y est. Maintenant à 180 000 euros dans la salle. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts? Oui, plus que jamais. Victor? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant pour ce lot la somme de 190 000 euros. 500 000 euros. De bon. Bah, il avait de la marge, hein. Merci. C'est vraiment un gosse de riche, hein. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Parce que moi, il faut que je travaille au moins 2 mois pour avoir cette somme. Je suis pas chier, hein. Putain, lui, il a claqué ça en 10 minutes, le mec. Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre? 500 000 une fois? 500 000 deux fois? Adjugé vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000... Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là! Trop fort. Ah, vu. Très très fort. Hein. Poussez-vous, allez, dégagez de là! Arrêtez-le! Hey! Arrêtez cet homme! Ferme! Qu'est-ce que vous foutez? Le laissez pas partir! Vous avez pas! Sparish! Très bien. Sam, dis-moi que t'as la croix. J'ai Saint-Dismas avec moi, tu veux lui dire bonjour? On a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière, la salle de bal est fermée, la sécurité est en l'air. Ouais, attendez, il y a quand même une belle vue. On va quand même pas se faire chier la bite, alors qu'il y a une belle vue comme ça. Oh là là, regardez ça. By night, c'est quand même... Une petite ville d'Italie comme ça. Oh là là, on avait pas vu l'autre côté. Là, bah non, mais attendez. Le port, la baie, c'est magnifique, hein. Oh! Oh, pecorino! Pecorino, parmigiano! Oh. Waouh! C'est zinzin, alors imagine le 5! Oh. Faut que tu bouges! Bah ouais, moi j'aimerais bien bouger! Mmh. J'aimerais bien bouger, j'ai dit! Oui, bah je sais, je m'en fous du tuto! Ah! T'es hors de la vue ou pas là? J'ai du mal à y croire. Pour sauter. Ouais. Ah, ok. Ouais, plus ou moins. Ah, il dit des trucs. Dis donc. Ouais, j'ai entendu culo. Hein. C'est des injures ça. Eh, tu veux pas dégager toi? J'ai un flingue? Attendez, je vérifie si j'ai un flingue, j'ai pas de flingue. Non, je pense que tu dois avancer à couvert jusqu'à des positions là, genre sous les toits. Peut-être que t'as de la place de t'accroupir. Ouais, voilà. Oh, alors là, c'est pas ce que j'avais en tête. Oh, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. C'est la merde de qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, t'as vu, on dirait qu'il dit c'est la merde. Tu peux tirer ou pas lui? Oui. T'as rien vu? T'es mort. Oh. Oh ouais, ouais, il est mort là. Il est mort.
T'aurais dû le mettre KO, prendre son costard et te faire passer pour un garde. C'était aussi marrant de le tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Je fais shift pour descendre, il fait une roulade, il m'a saoulé. Oh. Un 10, oh oui, bah ça va. C'est la merde. C'est la merde. Il est bizarre lui. Ah, tu veux pas. Ouais. Attendez. Prends son costard. Donnez-moi votre costard. Oh, désolé, j'ai essayé de prendre votre costard. Bon, je te dis comme lui, après tu balades comme ça, tu fais. Fromaggio della bita. Bon, alors j'ai peur, comment. Oui, bah ouais, non, d'accord, tu peux pas passer par là. Ouais. Oh, si, tu peux courir. Allez. Mais j'ai. Putain, j'ai fait espace. Bon, allez, je me concentre. Le problème, généralement, se trouve. T'as pas le droit de dire ça. Between the computer. Tu peux le dire en anglais si tu veux. Bon, il a gagné, je l'épargne. Il a gagné. Si ça se trouve, il va se retourner, il va me faire chier. Franchement, honnêtement, je pense que t'aurais dû le faire tomber. Parce que, j'aurais dû le faire tomber, merde. Oh. Ah bah, fais tout le tour en fait. Pourquoi tu te fais chier la bite? C'est-à-dire? Bah non, mais on passe par là pour faire le tour. Ouais. Faut juste que le mec soit pas là, quoi. Bon, y'en a d'autres qui s'activent, hein. Il chantonne ce con. Une journée comme une autre. Faudrait pas passer dans le. Ouais, voilà. Dégage-toi. Quand il est. Ouais. Maintenant. Oh, il a un doute, faut se passer à couvert. Il y a un méchant doute. Ok, eux ils diront pas. Petite roulade pour être BG. C'est magnifique. C'est magnifique, mais on a pas le temps pour ça. Mais alors on doit aller où? Je sais pas. Tout à gauche, c'est possible? Par là-bas? Ouais, je pense. Oh, je veux bien. Hop là. Si j'arrive à grimper, j'aurai un bon point de vue. Oh. À couvert l'autre herbe. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Ouais, tourne, s'il te plaît. Oh. Attaque furtive. Ah voilà, on commence à s'amuser là. Oula. Nathan et tu dégardes, hein, ouais. Alors qu'il pourrait les épargner. Wow! Pourquoi tout le monde se barre à cette c'est vitesse? C'est un véritable film d'action! Qu'est-ce qui se passe? Wow! J'adore! Tout là-bas. Faut pas aller jusque là-bas. C'est pas putain, possible. J'ai bien l'impression que si. Non, il y aura une tyrolienne à un moment donné. Ok. Comme sur des roulettes. Personne ne m'a repéré. Je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille. Il y a beaucoup trop de vases que j'ai envie de casser dans cette pièce. Oui. C'est stressant. Pas de soucis, tu sors, t'as un invité comme un autre. Tu vas prendre ta voiture de luxe et t'en aller. Ah, excusez. Oh, Nadine. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là? Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous ne dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Il va enlever sa baguette. Maintenant, ici, c'est quand même. Nadine. Je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Ouais. Ah, bah, vu qu'elle a forcément, t'as vu ses bras. Elle est beaucoup plus musclée que toi en fait, donc. J'ai pas envie de me battre avec elle. Madame,
Vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Parce que si... T'aurais fait quoi? Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. C'est trop téléphonique. Vas-y, attaque, attaque. Je fais ce que je peux pour que ce soit équitable. Haha. Aïe. Pas mal tenté. Bien vu, Nadine. Et celle-là, tu l'as vu venir? Aïe. Ah oui. Coup pour coup. Oh la vache. Oh Nadine, je rigolais. Ah, sacré Nadine. N'oublie pas, c'est toi qui voulais tout ça. Bonne affaire. Bon, écoute, j'ai un super astrolabe chez moi. Il a à peine servi. Je peux te faire un bon prix si tu veux. Je crois que j'ai... Là c'est croche-pied là, là c'est croche-pied. Ça doit être le courage, ouais. Et si on disait que tu quittes? C'est bien, attends, monte ta garde. Je peux rien esquiver, je spam le E. Ah bah non, mais elle est trop puissante. Bah ouais, bah si elle, ah, tu fais. Je spam le E, mais le jeu veut pas, elle est trop forte. Tu préfères continuer à faire le malin? Tu n'es pas ostéopathe. Pas une ostéopathe. Tes manipulations me font plus de mal que de bien. Oh Nadine, le high kick. Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est? Hey, hey. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Oh, c'est qu'on a failli mourir. Bah oui, la Nadine, elle en a rien à foutre qu'on soit en vie ou non. Je vous attends dans la voiture, les gars. Qu'est-ce que vous foutez? Je viens de tomber sur ton ami Nadine Ross. Vraiment charmante. Ouais, bon, c'est un bordel pas possible ici. J'essaie de maîtriser la situation, mais tout le monde flippe. Je pourrais pas vous stresser. Ultra. Ah oui. Attends, où est-ce que je veux pas retourner me battre avec Nadine. Toi, près de la salle de bal. Si tu vois un panneau rond, c'est que t'es sur le bon chemin. Un panneau rond, ok. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un flingue. Ça, c'est un saut qui se fait, hein. T'es sûr? À vue d'œil, ouais. Tu viens pas de là, par hasard? J'ai comme un doute. Où est-ce que je dois aller? Tu vas pas de revenir en arrière là? Où est-ce que je dois aller, putain? Attends. Non. Putain, la Nadine, elle t'a bien secoué le... la cabeça. Ah, hein. Mais regarde, dis donc. Oh là. Oh, oh bah attends. On dirait carrément qu'on peut aller là, là. Ouais, non, je dois venir de là. J'ai carrément envie de prendre cette barre. Ah bah voilà. Ah bah attention. Saloperie de barre. Attention à ça quand même. Ah ouais, il tente quand même. Ah il la tente. Ouais, je suis pas sûr. Ah ouais, non mais rien ne tient en même temps, hein. Ça me disait rien, c'est du vieux matos, hein. Ah c'est un bouclier. Ah ah. Faut juste tirer sur mes doigts. Ah bah putain, quoi, faut des réflexes, hein. Je l'ai. Hop. Et... une balle à mort. Hop. Joli coup. Et... ouais. T'as moyen de descendre? Ouais, il me semble, ouais. Super. On bon, se retrouve dans l'allée, alors. Dirige-toi vers la salle de balle. Ok, à tout de suite. Hop là. Et hop. Ah ouais? Ils pourront aller où? Juste là. Ouais, bueno tutti, attention. Et si tu démarres, ça fait quoi? J'ai obligé de les viser pour les marquer, c'est super chiant. Ouais, j'ai entendu. Bon, j'ai pas forcément besoin de les tuer. Non, tu peux être furtif. Ouais. Tu veux pas regarder un peu le paysage? Vas-y, viens. On va aller te voir normalement. Je suis les barreaux transparents. Oh. Ah, y'a un truc à craquer. Je suis désolé. T'es pas obligé de les tuer, hein. Ah, vraiment, là, c'est malencontreux.
Attention, tu regardes quand même. Wow, putain. Monsieur, c'est très important. Ouais. Ouais, faites gaffe, honnêtement. Oh, faites gaffe. J'ai un flingue. Je contrôle plus rien, vraiment. Oh ouais, bah oui, d'accord. Contact. Il a beaucoup de chances de rester en vie, lui. Oh, oh, celle-là, ouais, elle était belle. C'est un joueur de FPS, celui-là. Elle était belle. Ah ouais, assurément, le deuxième étage. Assurément. Assurément. Très intéressant. Oh, me dis pas que tu vas voler une voiture de luxe pour t'enfuir. Je peux pas lui tomber dessus. On a témoin. Ah! T'aurais vraiment pu ne pas le tuer, hein. Il était vraiment juste, j'ai un doute. Est-ce que c'est pas plus sympa? Si! Ah, alors là. De profiter un peu de mon pistolet. Haha! Bon réflexe. Je commence à y faire à ce petit flingue. Bon, c'est par là, je pense, hein. Ouais, sûrement. Si les ennemis sont par là. D'accord. Ah, t'es bien rattrapé. Oh, oh, t'as fait un méga saut. Le t'as pris de l'élan de fou. C'est quoi ce giga saut là? Faut se calmer. Ah. Bah, c'est parfait. C'est bon, c'est là. C'est très gentil quand même de se remettre. Le checkpoint est bien, bien placé. Oh, c'est joli. C'est joli. Que dans la salle de balle. C'est joli. Attends. Je suis coincé ici. J'aurais besoin d'aide. J'arrive, Sam. Tu vas pas faire ça, c'est des gens qui rentrent. J'ai tiré sur la voiture, j'ai le seum. Parfait. Bah. Ah, tu vas monter sur ce petit truc central. Pour accéder au balcon. Carrément monter là, quoi. Je suis pas là. Ah, je suis là. J'avoue, je suis là. Vu. Ah, ah, ça y est, ça vise plus. Bon, on va se barrer, c'est très désagréable ici. Oh là. Eh ben. Oh là là. La fameuse tyrolienne, un peu plus tard que prévu. C'est vraiment une tyrolienne du coup. Non, c'est pas une tyrolienne, c'est juste un câble. Alors. Il a fini de. Peut-être dans la salle de balle. Ah si, c'est vraiment une tyrolienne. J'ai cru que t'allais te suicider, hein. C'est vraiment failli mourir, vraiment. Très fort. Oh, 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 oh. Et on tombe sur Samuel. T'amuses bien. Je crois que j'ai plus rien à faire dans ces enchères. Non, moi non plus. Tu vas viser, oui. On va viser au bout d'un moment. Oh les gars, vérifiez changement de programme. Il y a trop de gens qui essaient de partir, la ligne est prête à craquer. C'est dur de viser. Bah, cette distance, oui, c'est pas un sniper, hein. Okay. Ah, il y avait un fusil à pompe, t'as vu? Vous pouvez le récupérer. J'aurais apprécié. Oh, il y a quelqu'un qui me tire dessus, là, de tout près, là. Ah ouais. Là, il était vraiment derrière moi, ce salopard. Oh bah, tu pourras récupérer le fusil à pompe. Il était où? Ah bah merde, il était vers là. Ah. Ah bah tiens, c'est lui qui l'a. Ah, j'ai besoin de votre fusil. Merci. Ah, faut se rapprocher. Ha ha. Ha ha. Oh, les bouteilles. Ah. Ah. Wow, c'est vraiment un film d'action. Oh, dommage. Oh, une grenade. Ah, grenade, ça. Je suis sûr que tu peux la renvoyer, à mon avis. Hein. Ouais, sûrement. Putain, y'en a du monde. Oh, il a des coups, Samuel. Oh là, y'a plus de couverture, là. Dans ces cas-là, il faut prendre le fusil à pompe, porter ses couilles.
Ah, ça fait ta frame, hein. Oh, j'ai eu peur. Samuel, c'est Samuel. Je crois que c'était pas Samuel. Samuel, je me repose un petit moment. Attention, ne te lève pas du tout. Ne te lève surtout pas, Samuel. Oh, il y avait une M4. Oh. Là, juste côté. À droite, oui. Je pense que Samuel lui a réglé son compte. Mais les musiques du jeu sont trop bien en plus, hein. Oui, ouais, elles sont stylées, ça. Il y a Timo Kingsman là. Tiens mon petit, je suis pas très loin. J'en ai plus pour longtemps. Tu viens encore billard ou quoi? Dépêche-toi. Oh, y'a tellement de monde. Wow. Ah puis ouais, oui, c'est pour ça, il était pas avec toi lui. Casse les couilles lui. Oui. Je vois votre main. Qui pourrait bien. Le gars fair play. Grenade, grenade. Et si tu tires dans la lumière tout en haut, ça les aide. Ça aurait été mal. Ah, j'y ai cru. Mais non, mais ah, il y a avec nous toi. À chaque fois qu'il y a un mec qui arrive en véhicule, j'ai envie de tuer. Ça fait deux fois que tu sais, c'est des gens en véhicule. Voilà. Oh. Ouah, sa mère. Oh, je vais mourir là. Je vais carrément mourir. Oh oui, juste derrière toi, derrière toi. C'est pas grave, je rentre dans la voiture. Amenez-moi à l'hôpital. Eh bah putain! Ça s'appelle pas intermédiaire pour rien! On va savoir enfin ce que renferme cette croix! Oh! J'espère oh, et dis donc! Faire. Non, non! C'est le plus. Ah. Ah, eh bah putain! Non, mais en plus, comme ça! Pas le droit de faire ça! Quoi? Une carte! Quoi? Mais. Bon. C'est vraiment enfoiré! C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort! C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avril. Qu'est-ce que c'est? Et si vous voulez savoir ce que c'est, vous devrez aller sur l'Epic Game Store, utiliser le code Crotoman qui est bonne nuit à tous. Bonne nuit, à bientôt. Dommage. Ça fait 3 heures qu'on la cherche. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Ce sont des dates. Hein? Ah, regarde. 1659. C'est l'année de naissance d'Avril. 1699? Laisse-moi deviner, l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, mais... Ça veut dire qu'on a... L'année de sa naissance, l'année de sa mort, et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avril. À la cathédrale Saint-Dismas. Oh, ils ont déterminé minutes. Beaucoup de choses, hein. Je croyais que Rave passait le secteur. Et très rapidement. Genre, il n'y avait pas aucune la autre cathédrale. Solution possible. Vous voyez ces symboles? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Putain, il sait tout, okay. En plus. Tenez, regardez. Wow. L'agencement des lieux est très inhabituel. Ouais. Là, c'est la cathédrale. Mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. C'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Ah. Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais
Après tout ce que vous avez vécu ensemble. Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. J'ai demandé la permission à Elena. Salut, c'est moi. Non, je capte super bien. Est-ce que je peux aller en Écosse? S'il te plaît, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Ouais. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Allez, vieux briscard. J'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Génial. Les terres d'Écosse. Bon. Ouah. On peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Ouais, mais j'ai faim. Donc donc cimetière ou un bon repas? Malheureusement, j'ai la dalle, donc bon. Écoutez, c'était très sympathique. Non, franchement, je suis dégoûté de pas avoir joué à Uncharted cool, hein. D'avant, en fait. Je pense que c'est vraiment cool. C'est le jeu est une dinguerie, genre comment c'est varié et trop bien. Le gameplay il change tout le temps et tout, c'est trop stylé. Écoutez, c'est fort possible, j'imagine que on continue le jeu, hein. Franchement, sympa. Mais en attendant, vous, voilà, bombardez-moi des clics sur les liens là, parce que le jeu le mérite. Je viens juste de sortir sur PC pour la première fois, donc profitez-en, régalez-vous aussi. Excellent. Bonne nuit à tous. Et à dimanche. Oui, exactement. À dimanche pour un autre jeu. Oui, salut. Au revoir.